de novembre. Bienvenue au mois de novembre. Et bienvenue dans la maison de l'Éternel. Ah, rekamandere boshaka. Raba shekeria brasekele bosake. Reba shandara bakonto. La Bible déclare dans le livre de Néhémie chapitre 4, le verset 14. Je vais lire pour nous. La Bible dit ceci. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, combattez pour vos femmes et combattez pour vos maisons. Ce soir, je suis venu chercher quelqu'un qui est capable de se combattre. Alléluia. J'étais en train de dire, ce soir, je suis venu chercher quelqu'un qui est capable de combattre. Tu ne vas pas combattre seulement pour toi. En ce mois de novembre, tu ne vas pas seulement combattre pour ta destinée. Mais ce soir, je suis venu chercher quelqu'un qui est capable de prier pour lui, de prier pour son frère, de prier pour sa sœur, de prier même pour ses parents. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis convaincu que le Dieu des familles est là. Le mois de novembre est un mois où l'Éternel visite ta famille. Alléluia. Là où tu es, bats les mains une fois. Bats les mains deux fois. Bats les mains trois fois. Répète après moi au nom de Jésus. Répète après moi au nom de Jésus. Nazo kayote. Est-ce que tu peux battre les mains une fois? Deux fois. Trois fois. Répète après moi au nom de Jésus. Ce soir, dans la présence de Dieu, je vais combattre pour ma vie, pour ma maison, pour mes frères, pour mes sœurs, en ce mois de novembre, je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je ne suis pas la queue. Alors que tu es en train de battre les mains, tu es en train de déclarer qu'en ce mois de novembre, tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains? Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu es en train de déclarer. Tu es en train de combattre pour toi-même. Tu es en train de combattre pour ta famille. Ola kapaya, le mandelere faya. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de déclarer, je me bats, je suis en train de combattre. Nazo ka mama moko azo beta maboko. Azo bonde la pona mobali na ye. Azo bonde la pona bana na ye. La kapaya, le kandele boshaka. Le braya basheka. La kapaya bakapa. Le kamere paya. Le kapaya bakapa. Et la kapaya bakota. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de déclarer ces paroles. Le capera te rapera. Va le mettre là où tu es. Va le mettre là où tu es. Va le mettre là où tu es. Je viens combattre pour ma maison. Je viens combattre pour ma femme. Pour mon mari. Pour mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je lève la voix. En battant les mains, je m'élève. Va le mettre là où tu es. Et capara te repa. L'homme de recapa ya bacheke. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains? Est-ce que quelqu'un peut battre les mains en prière? Les mandere boshaka. Les braya zata ma côté. La cour à baseka. Alors que tu bats les mains. Alors que tu es en train de déclarer que tu es la tête et tu n'es pas la queue. Alors que tu es en train de battre les mains. Tu es en train de déclarer. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Yes. Rekapa yabasheka, marekapa, lebra yabashaka, marekapa yabakopa, lebra yabashaka, la brika ne le repa. Va le mettre là où tu es, va le mettre là où tu es. Au nom de Jésus, yes. Je m'élève. La brika paya, rekamanda yabasheka, rakapa yabakapa, la rakapa yabakapa ya. Et la coula bacheta. Oh la kapaya. Tu es en train de prier. J'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de battre les mains. J'aime ta façon de circuler. Yes.
Tu es la tête et tu n'es pas la queue. Tu es la tête et tu n'es pas la queue. Je m'élève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bas le main une fois. Bas le main deux fois. Bien-aimé, tu es la tête et tu n'es pas la queue. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Toi, ta tête, on ne va pas écraser cela. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas une tête qu'on peut écraser. Amen. La tête de ta famille n'est pas une tête qu'on peut écraser. Amen. La mort ne va pas écraser ta tête. Amen. La maladie ne va pas écraser ta tête. Amen. L'échec ne va pas écraser ta tête. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas commencer à battre les mains. Tu vas dire en ce mois de novembre, ma tête ne sera pas écrasée. Amen. Ni par la maladie, yes, ni par la mort. Par les mains là où tu es. Par les mains. Alors que tu bats les mains, tu es en train de déclarer, ma tête ne sera pas écrasée. Ni par la sorcellerie, ni par la magie, ni par la mort. Yes. Rakapayabashaka. Ni la tête de mes enfants. Au nom de Jésus. Alors que je bats les mains. Alors que je bats les mains ce soir. Ma tête ne sera pas écrasée. Au nom de Jésus. La mort n'écrasera pas ma tête. La maladie n'écrasera pas ma tête. Au nom de Jésus. Je déclare de l'éclat. Ma tête ne sera pas écrasée. Au nom de Jésus. L'opéré payabasha. Korakapa yabato. Je déclare de l'éclat. Allez, mets là où tu es, mets les mains. Ma tête ne sera pas écrasée. Zaparaba koraba. Bah, le mets là où tu es. Toi, on ne va pas écraser ta tête. La sorcellerie n'écrasera pas ta tête. La maladie n'écrasera pas la tête de ton mari, ni la tête de tes enfants. Alors que tu bats le mains, alors que tu es en train de prier. Loka payabasheka. Rekete pera. Luta pera. E yabasheka. Yeka payabako. Oya. 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 Rakapaya. Ne marekapa. Zika pelege paya. Luka merepo. Yes. Rekapa kapaya. Nandaraba kopi. Ikareba sheka. On ne va pas écraser ta tête. La sorcellerie n'écrasera pas ta tête. La maladie n'écrasera pas ta tête. La mort ne t'écrasera pas. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bas le main une fois. Bas le main deux fois. Bas le main trois fois. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Néhémie, chapitre 13. Yes. Le premier verset. Amen. La Bible dit ceci. Yes. Dans ces temps-là, amen, on lut en présence du peuple, yes, dans les livres de Moïse. Yes. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devront jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. L'Ammonite et les Moabites ne doivent pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es à la porte de novembre 2023. C'est toi qui détiens la clé. Alléluia. Amen. Il y a des choses que toi tu vas permettre. Et il y a des choses que tu ne peux pas permettre d'entrer. Amen. Alléluia. Amen. En novembre. Je ne sais pas. Toi-même, tu connais ta vie. Tu connais ta famille. Tu connais les réalités de ta famille. Qu'est-ce que toi tu veux permettre que cela entre en novembre? Et qu'est-ce que toi tu ne permets pas? Mais ce soir, nous allons interdire à la mort d'entrer. Nous allons interdire à la sorcellerie d'entrer. Nous allons interdire à la maladie d'entrer. Nous allons interdire au blocage d'entrer. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Répète après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, monte encore. J'aime ta façon de prier.
J'aime ta façon de prier. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans la famille de mes enfants. Dans le travail de mon mari. Donne-moi un bon retour. Yes. Est-ce que tu es là? Amen. J'aimerais que tout le monde qui est assis se lève. Ce point de prière est très important. Yes. Yo fandi telemesikosa. Yes. Nous devons posséder le mois de novembre. Amen. Nous devons contrôler le mois de novembre. Amen. Alléluia. Amen. Dans cela, yo fan yo telema. Le kaparabasaka. Rakuta makele rosa. Bas le main une fois. Bas le main deux fois. Bas le main trois fois. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Dans ma vie. La mort n'entrera pas. Dans ma vie. L'envoûtement n'entrera pas. Ce soir. Au mois de novembre. Je coupe l'accès. À l'échec. À la maladie. À la pauvreté. Alors que je bats les mains. Tu es en train de couper l'accès. À la maladie, tu es en train de couper l'accès à la mort en ce mois de novembre. Je coupe l'accès. Bah le mélange tu es. Je coupe l'accès. Les mandele boshaka. Brakatapa yabasheke. Les kapa yabashe. Tu es en train de couper l'accès. Tu es en train de couper l'accès. La maladie n'entrera pas. La mort n'entrera pas dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, alors que tu bats les mains. La mort n'entrera pas dans ma famille. En ce mois de novembre, je coupe l'accès. Dans ma vie, dans ma famille, en ce mois de novembre, alors que je suis à genoux dans ta présence, Seigneur, je suis en train de battre les mains. La maladie n'entrera pas. Je coupe l'accès à la maladie en ce mois de novembre. La mort n'entrera pas aujourd'hui en ce mois de novembre. La maladie, l'échec n'entrera pas. Au nom de Jésus, l'échec n'entrera pas dans ma vie, dans ma famille. Alors que je bats le mal. Bats le mal là où tu es. Mais Dieu qui écoute la prière est là. Est-ce que quelqu'un peut prier là où il est? Au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses regarder tes mains. Regarde tes mains. Est-ce que tu peux frotter tes mains? Est-ce que tu as frotté tes mains? Tu vas répéter après moi ces paroles. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je coupe l'accès. À la stérilité. En ce mois de novembre. Amen. Na lobi boy, na mois de novembre oyo. Eloko moko te yoko si me kobota te. Yes. Alléluia. Amen. Répète encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma vie. En ce mois de novembre. Je coupe l'accès. J'interdis. À la stérilité. D'entrer dans ma vie, dans mes projets, dans mes entreprises, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, alors que je bats les mains, je coupe l'accès à la stérilité. Je ne serai pas stérile. Alors que tu bats les mains, alors que tu es en train de prier, tu es en train de couper l'accès. Oh, je coupe l'accès à la mort. Au nom de Jésus, je neutralise la mort, je paralyse le messager de la mort en ce mois de novembre. Et l'on connaît son yoko si me fait beau temps.
Alors que tu es en train de battre les mains, je vois l'Éternel interdire la stérilité d'entrer dans ta vie, interdire la stérilité d'entrer dans tes projets. Alors que tu bats les mains, alors que tu pries, je vois l'Éternel couper l'accès à la stérilité dans tes projets, dans ta vie. J'avance. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Rabala, Roparala, c'est prépelebe. La capa ya bakopa. Je coupe l'accès. Au nom de Jésus. Au nom de. J'ai un dernier point de prière à te donner. Amen. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 11. Le Dieu qui écoute la prière est là. Amen. Je dirais à quelqu'un ici. Zambazo lumanesi kaoy. Amen. Le Dieu qui entend la prière est là. Amen. Écoute ces points de prière. Yes. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 11. La Bible dit ceci. Anne fit un vœu en disant. Yes. Éternel des armées. Amen. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Amen. Si tu te souviens de moi. Et n'oublie point ta servante. Amen. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Yes. Écoute la suite. Je le consacrerai à l'Éternel. Amen. Pour tous les jours de sa vie. Amen. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Pasteur Jonathan, ici Samuel n'est pas encore venu. Alléluia. Amen. Samuel n'est pas encore venu au monde. Amen. Mais que déjà sa vie toute entière a été consacrée à une divinité. Heureusement pour lui, c'était l'Éternel des armées. Amen. La maman de Samuel a fait des alliances avec l'Éternel des armées. Lui interdisant même que le rasoir ne peut jamais, jamais passer sur sa tête. Amen. Alors que l'enfant n'est même pas encore venu. Plusieurs personnes dans nos familles, dans nos vies, sommes victimes des alliances que les hommes et les femmes ont fait avant nous. Amen. Qui ont déterminé la suite des choses dans nos vies. Amen. Toi, tu penses que tu es en train de vivre alors que tu es la conséquence des alliances que quelqu'un avait faites avant toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais heureusement que tu es venu dans ce séminaire de vœux. Amen. Ah! Je disais ceci. Heureusement que tu es venu dans ce séminaire de vœux. Où par ta prière, yes, tu vas briser les liens. Amen. Tu vas briser les alliances sataniques. Amen. Qui liaient ta famille. Samuel pensait qu'il aimait Dieu. Alors qu'il était la conséquence des alliances qui étaient faites entre une entité spirituelle et sa maman qu'on appelle Anne. Alléluia. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, tu as fait bien d'acclamer. Répète après moi en battant les mains. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'a pas quoi n'a les lots. N'a pas quoi n'a les lots. Toute alliance. Toute alliance. Tout feu. Tout feu. Qui a été arrangé. Qui a été arrangé. Avant moi. Avant moi. Dans ma famille. Dans ma famille. Qui me condamne. Qui me condamne. À la misère. À la misère. À la pauvreté. À la pauvreté. Au blocage. Au blocage. Au retard. Au retard. Ce soir. Ce soir. Alors que je bats les mains. Alors que je bats je les suis mains. En train de briser cela. Alors que je bats les mains, je suis en train de briser cela dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Bats les mains là, tu es. Tu es en train de briser. Chakapaya Bakopa. Tu es en train de briser cela. Tu es en train de briser cela. Tu es en train de briser cela. Je brise. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains en priant? Tu es en train de paralyser les alliances que les grands-parents ont fait. Ils ont vendu toute la famille. Bah, le mêle à tuer. Bah, le mêle à tuer. La récapaya bakopa. Chanara bakopa. La prékere osa. Ikapaya bakopa. Lusafera. Le kapaya bakopa. Prière. Monte en prière là où tu es.
Karevoshaka. Le brekeria basaka. Au nom de Jésus, bien-aimé, Anne a dit, ce n'était pas l'Éternel qui avait dit. C'est Anne qui a dit à l'Éternel, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Il y a des gens ici, il y a des familles ici. Elles sont victimes des alliances que les parents, parfois les oncles ont fait. Disant, certaines sommes d'argent ne passera jamais dans cette famille. Ba mata ba kita. Yes. Ba comment on n'aura jamais 2000 dollars. Yes. Alléluia. Amen. Mais ce soir, amen, alors que tu es ici, amen, je vois l'Éternel faire tomber, amen, ces gens d'alliance dans ta vie. Amen. Répète après moi encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète encore en battant les mains fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, ce soir, alors que je bats les mains, alors que je bats les mains, je détruis toute alliance qui a été effectuée. Yes. Dans ma famille qui m'impose une vie de pauvreté, une vie de misère. Aujourd'hui, en battant les mains, je suis en train de les briser. Pas les mains là où tu es. Tu es en train de briser les alliances de la pauvreté, les alliances de la misère qui reposent dans ta famille. Au nom de Jésus. Pas les mains là où tu es. Tu es en train de paralyser. Ah, tu fais bien de prier. Tu fais bien de battre les mains. Le kapaya bakota. Yikere boshaka. Lupa. Le bakuta. Le kapaya bakota. Pas les mains là où tu es. Pas les mains en prière. Bas les mains en prière. La mandere de chaka. Rika paya bako. Pray. Bas les mains. Monte en prière. Bas les mains en prière. Sokapa. Sopropa la maya. Eshapara. Toute alliance. Au nom de Jésus. Dernier point de prière. Amen. D'autres sont encore allés plus loin, pasteur Jonathan. Quelqu'un d'autre a fait un vœu avec des divinités pour imposer à la famille ou au nom de la famille des limitations. Alléluia. Amen. Tu te sens que toi tu es bloqué. Il y a un secteur que tu n'arrives pas à franchir. C'est comme si, même si tu fournis des efforts communs, même si tu connectes n'importe qui dans ce domaine-là, il y a toujours une barrière. C'est comme une limitation. Mais ce soir, yes, au moyen de ta prière, amen, je vois les lois des limitations tomber. Amen. Bon, je vais bien le dire. Au moyen de ta prière, amen, je vois le vœu des limitations tomber dans ta famille. Amen. Alors que tu bats les mains une fois, alors que tu bats les mains deux fois, alors que tu bats les mains trois fois, tu répètes après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Que tous les vœux. Que tous les vœux. Les paroles. Les paroles. Qui nous empêchent. Qui m'empêchent. D'aller de l'avant. Aujourd'hui. Alors que je bats les mains. Je détruis cela. Je détruis cela. Les limitations tombent. Les limitations tombent. Yes. Les mains là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut faire tomber les limitations dans sa famille? Pray. Lo kapaya. Va les mettre là où tu es. On t'a imposé des limites. Ah, ce soir, tu les fais tomber. Ce soir, tu les fais tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
de. Assis-toi, 5 semaines, assis-toi. Bien-aimé, je n'ai pas une exhortation à te donner par rapport aux offrandes. Est-ce qu'on peut nous apporter les paniers, s'il vous plaît? La seule parole que j'ai à te dire ce soir, ton offrande de ce soir va faire tomber les lois des limitations financières qui reposaient dans ta famille. Ce soir, tu ne remportes pas la victoire pour toi-même seulement, mais tu es l'échantillon de ce que Dieu est en train de faire dans toute ta famille. Lève-toi avec ton offrande et approche dans le panier. Apporte une très très bonne offrande. Et nous allons prier. Nous devons déclarer sur nos finances. En ce mois de novembre, nous devons témoigner la grâce de Dieu. Toi qui me suis en ligne, tu es connecté sur YouTube ou sur Power Channel, il y a les coordonnées qui sont là. Apporte ton offrande, afin que par ton offrande, les lois des limitations financières tombent. Lève-toi avec ton offrande et approche. Alors que tu approches avec ton offrande, Dieu est en train de déclarer. Dieu est en train de déclarer des paroles. Et je vois l'Éternel faire tomber les lois des limitations dans ta famille. Je vois l'Éternel faire tomber les lois des limitations dans ta famille. Je capte. Acclamer pour toi-même. Acclame pour toi-même. Alors, voici les annonces que nous avons. Déjà à partir d'aujourd'hui, nous avons 3 jours d'enseignement et de prière du mercredi 1er novembre au vendredi 3 novembre 2024 avec comme thème « Fais un vœu à l'Éternel ». Et nous aurons comme orateur notre père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Alléluia. Oui, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Donc, aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi et vendredi. Alléluia. Et on nous informe que chaque samedi, déjà à partir de ce samedi, ici, il y a culte de jeûne à partir des 17h. La génération L. C'est une série d'enseignements sur le choix. Alléluia. Il faut toujours être là. La jeunesse, c'est une saison de la vie d'une personne où les grandes décisions se doivent d'être prises. Alléluia. Et viens écouter les enseignements. On nous informe qu'il y a réception pastorale les jeudis avec le pasteur Ben Eyekola. Alléluia. Tu as besoin de rencontrer le pasteur Ben. Tu passes le jeudi ici à l'église. Trimestre du temple, octobre, novembre et décembre. Pendant ce mois, tout sera tourné autour du temple. La croissance numérique de l'église. Voilà pourquoi l'administration nous informe que nous ne devons pas venir seuls à l'église. Que nous devons toujours inviter les hommes et les femmes qui nous fréquentent et qui nous côtoient. Alors, il est aussi informé à l'église que les ministères d'implantation et de gestion des cellules informent à toute personne qui habite la Tchangou et qui veut donner sa parcelle afin de planter une cellule et prier de voir le frère René qui s'élève. Vous pouvez le voir à la fin du culte afin que vous puissiez vous enregistrer. On nous informe encore que le 31 décembre, nous avons la nuit de la traversée. Amen, amen. Le 31 décembre, Oyo, Eko Beba, Eko Inda. Amen, amen. Il y aura la nuit de la traversée. Amen. Et comme dernier communiqué, notre Père reviendra avec les précisions par rapport à ça et que Anouka 2024 arrive déjà. Du 24 janvier au 3
2024. Nous aurons à nous, car tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Si j'étais quelque part d'autre qui serait différent d'ici, j'allais juste dire acclamer pour la star qui viendra après moi. Les gens allaient tellement acclamer pour un humain qui mange comme eux, pour un humain peut-être même qui est malade comme eux, pour un humain qui leur donnera peut-être rien. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la star? Les gens allaient acclamer. Ah, je vois que je suis devant les enfants de Dieu qui savent que Jésus mérite mieux que ça. Il est digne des bonnes acclamations. Non, des vraies acclamations. Est-ce que nous pouvons l'ovationner? Alléluia! Oh, oh, oh! Donc, ce mouton a vendu tout. Yo, osa cousin à Satan, osa préparé rébellion moussoussou. Ah, tu as un amokil, tu as un lolaté. Vous avez préparé deuxième rébellion. Tout le monde, cousin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Poussons des cris de joie. Deux. On va dire ceci. Nabakombo nyonso awanase. Je vais chanter avec toi. Nabakombo nyonso awanase. Yemba kombo yo kitoko sikanga ye yebelaye. Est-ce que sali nabakombo nyonso awana se nabakombo nyonso na libota na nga yo 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 soye mbakombo yo kitoko sikanga ye sikanga ye mbela ye nabakombo nyonso awana se. J'assiste, hey. Nabakombo nyonso awa na porte de cieux. Nabakombo nyonso awa na Kinshasa. Yemakombo yo kitoko chikanga. Nabakombo nyonso awa na se. Hey, Ecclesia to tambola, tambola na Yesu lungo. Epesaka Yesu lungo. Papa to tambola, tambola na Yesu lungo. Epesaka Yesu lungo. Hey, bilenge to tambola, tambola na Yesu lungo. Epesaka Yesu lungo. Wapi ba mama? Ba mama to tambola. Tambola na Yesu lungo. Epesaka esengo. Hey, Ecclesia to tambola. Tambola na Yesu lungo. Epesaka esengo. Pesa ye milolo milolo milolo. Masi, 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 Yesu tomba mana yo he. Tomba ma, Yesu tomba mana yo he. Yaya tomba ma, Masia tomba mana yo he. Tomba ma, Yesu tomba mana yo he. Porte sye tombo liyo, Yaya tomba mana yo he. Tomba ma, Yesu tomba mana yo he. Baba baba beti milolo milolo, Yaya tomba mana yo he. Tomba ma, Yesu tomba mana yo he. Mungu wa mapendo ni Yesu. Wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix
Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, na koti kate yeso ponanga banda bomwana. Na koti kate yeso ponanga banda bomwana. Kaila kolemba te masia ponanga banda bomwana. Na koli bate yeso ponanga banda bomwana. Oh, mwa baraka. Je t'informe que je ne sais pas danser. Alors je ne sais pas trop t'aider. Je ne sais pas t'aider vraiment danser pour Jésus. Mais fais ça comme tu le sens. On y va. Hey. Danser, 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 Sokolingi Yesu, loba Jesu. Sokolingi Yesu, loba Jesu. Sokolingi Yesu, loba Jesu. Josokende de gloire en gloire. Et 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 de gloire en gloire. Salam, 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 Combonine, Zambe ya bika mwananga ye. Zambe langa yo yo, Zambe langa yo yo. Na bonde la Zambe linye, Zambe ya babutsu nanga ye. Zambe langa yo yo, Zambe langa yo yo. Na yo kiposa ko yemba, lo yemba bote mananga ye. Zambe langa yo yo, Zambe langa yo yo. Atabaka ngibono kota la magolo nanga la bideli. Zambe langa yo yo, Zambe langa. Kangi makolo ya ya maboko na na beteli yo yo na yo kiposa ko yemba lo yemba botema na na ye ye yo yo na bakisi bolimba motema na beti bololo songi songi osane osana wani wa kwimbila wewe ye ye osane Kaigimba osane, Elia wani wakwimbila wewe. Osane, osana wani wakwimbila wewe. Ya wewe ni tudibana bachilobo ganye mibalwishe. Osane, osana wani wakwimbila wewe. Osana ye, osana ye, osana ye, osana ye, osana ye, osana ye, osana ye. On va le faire avec le main, avec le main, avec le main. Hey! Monsieur Maboko, on y va. Wakwimbi la wewa, 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 wakwimbi la wewa. Wakushila maje, wakwimbila wewe, 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 wakwimbila wewe,
zele Owa 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 zele Osons sauter trois fois, osons sauter cinq fois, cinq fois, cinq fois. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq. Boazele, 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 Boazele. Vous sacrez de jouer. Si vous venez la femme, ne voyez plus Robina. Je sais pas trop t'aider, mais est-ce que tu peux le faire pour la gloire de Jésus? Moi je fais de mon mieux en tout cas. On y va. Tous ont sauté cinq fois. Sauté. Est-ce que tu peux te mettre à parler alors que tu es en train de battre les mains? Tu es en train de célébrer Jésus. Tu es en train de célébrer Jésus en ce lieu. Non, ne le fais pas comme si c'était un spectacle. Mais fais-le comme les célébrant le Jésus. Comme célébrant le Jésus qui est mort et ressuscité. Yes. Comme célébrant le Jésus qui est tout puissant parmi tous les dieux. Yes. Ils se sont appelés des dieux, mais yes, on connaît l'adresse de leur tombe. Yes. Et on sait repérer leurs ossements. Mais notre Dieu, on connaît l'adresse de sa tombe. Yeah. Mais on ne sait pas retrouver ses ossements, car il est mort et ressuscité. Yeah. Le premier d'entre tous les morts, yeah, nous étions tous morts. Yeah. Mais lorsqu'il est ressuscité, yeah, nous sommes ressuscités avec lui. Mon mariage est ressuscité avec lui. Mes finances sont ressuscitées avec lui. Donne-moi ton cas, donne-moi ton cas. Je te dirai que Christ n'a rien laissé dans la tombe. Il n'a rien laissé dans la tombe. Est-ce que tu peux le célébrer? Shayabara si telebera. Ekali abrakin telelegasia derate. Korabashata labadabasa. Oti kalola polele. Atanaye bambalebele. La beta coco. Oti kalola polele. Atanaye bambalebele. La beta coco. J'aimerais le faire en français. Tu as laissé les cieux ouverts pour que je vienne des milliers de fois frapper à ta porte. Shadadadabas. Tu as laissé les cieux ouverts pour que je vienne des milliers de fois frapper à ta porte. Peu importe ton cas, il a laissé les cieux ouverts pour ça. Tu as laissé les cieux ouverts pour que je vienne des milliers de fois frapper à ta porte. Les écrits le disent. Les écrits le disent aussi clairement. Oui, je le dois de chercher ta face en toutes circonstances. Karabashata rabadaba. Les écrits le disent aussi clairement. Oui, je le dois de chercher ta face en toutes circonstances. Celui qui répond est. Tu es celui qui répond. Tu es celui qui répond. Jésus, celui qui répond. Tu es celui qui répond. Tu es celui qui répond. Celui qui agit est agi. Celui qui agit est agi. Celui qui agit est agi. Celui qui agit est agi.
Celui qui comprend, celui qui comprend, tu me comprends. Celui qui même si les autres ne comprennent pas, toi tu es celui qui me comprend. Jésus, celui qui comprend, celui qui comprend, celui qui comprend, celui qui comprend, celui qui répond, 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 celui qui répond. Merci Seigneur. Tu vas commencer à battre les mains, à prier pour ces 3 jours. Seigneur, je suis là durant 3 jours pour te chercher. C'est le premier jour du mois de novembre. Je suis là et je te cherche. Révèle-toi à moi. Laisse que novembre soit différent d'octobre, de septembre, d'août et de juillet, et même de tous les 10 premiers mois de l'année. Élève la voix, commence à prier. Vous êtes en ligne et vous êtes ici. Nous sommes tous debout en train de battre les mains. Commence à prier, à invoquer Dieu. Ces 3 jours sont entre tes mains. Je veux que tu me parles le jour comme la nuit, avant culte, pendant culte et après culte. Même la nuit quand je dors et je suis dans l'inconscience, que tes anges viennent et me communiquent ta pensée. Père, ce premier, ce deux et ce trois, je suis devant toi à la porte des cieux. Je m'attends à toi, ô Dieu. Révèle-toi à moi, parle-moi, instruis-moi. Dis-moi ce que je n'ai pas encore compris depuis le début de l'année. Éclaire-moi, donne-moi la lumière là où je suis encore confus. Ne me laisse pas tâtonner, ne me laisse pas dans la confusion, ne me laisse pas dans le noir, ne me laisse pas dans les hésitations. Donne-moi la clarté, donne-moi la lumière, donne-moi la lumière. Donne-moi la lumière, donne-moi la lumière. Par les enseignements, dans la prière, donne-moi des lumières, donne-moi des lumières. Alléluia. Visite ma famille, visite mes enfants, visite mon mari, visite mes affaires. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Je veux que toute l'église prie 60 secondes. Battez les mains et priez. Marchez, battez les mains et priez. Marchez, battez les mains, priez et marchez. Vous êtes en ligne, levez-vous là où vous êtes et commencez à prier. Battez les mains, priez et marchez. Battez les mains, priez et marchez. Quelque chose se passe. Dieu, nous sommes là pour 3 jours de prière. 3 jours pour te chercher, mais aussi pour te trouver. Au nom de... Battez les mains 1 fois, 2 fois, 3 fois. Élève la droite et l'éclat dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays et dans cette nation, dans mon corps, mon âme et mon esprit, dans mon sang, dans mes gènes et dans mon ADN. Je confesse ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je l'ai dit de ma bouche, il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Nous t'acclamons royalement Seigneur des Seigneurs et Roi de tous les rois, Jésus-Christ Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer comme il se doit et pousser des cris de victoire? Durant ces 3 jours, tu vas témoigner. Durant ces 3 jours, le ciel est ouvert. Durant ces 3 jours, Dieu va te consoler. Il va t'éclairer. Il va te conduire. Il va te diriger. Alléluia Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Nous ne sommes rien, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien.
Mais toi, tu es tout, tu sais tout, tu peux tout. Accepte de te servir du rien que nous sommes pour faire quelque chose de significatif qui va impacter ton peuple aujourd'hui et pour toujours. Nous te promettons, à la fin de ces 3 jours de prière, de te rendre toute la gloire pour tout ce que tu vas faire et manifester parmi nous. À nous la grâce et à toi les actions de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. T'acclamons Seigneur. Est-ce qu'on acclame comme ça pour Jésus? Alors déplacez-vous, cherchez 7, pas 8, 7 personnes. Dites bienvenue ce soir à nos 3 jours de prière. Bienvenue à ceux qui sont en ligne, ceux qui sont sur Power Channel. Merci beaucoup. Si vous êtes sur Power Channel à Kinshasa, ne restez pas demain à la maison. Venez à Limété. Vous êtes à Brazza, traversez demain. Venez à Limété. Ces 3 jours sont 3 jours significatifs qui vont marquer la fin de votre problème pour vous donner accès à votre solution. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est 7 personnes? Alors on va rester debout, on va lire la parole de Dieu. On est tous debout. On va lire la parole de Dieu. Ça va être une longue et intéressante lecture. Pour bien comprendre ça, il faudra lire. On peut tous être debout. Nous allons tous lire en ligne et ici. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Le pasteur Isaac Jonathan Cambo va lire pour nous. Jonas chapitre 1. Nous allons lire vraiment avec une grande attention. Livre du prophète Jonas, bien sûr. Jonas chapitre 1. Jonas a 4 chapitres. Nous allons lire le premier. Donc du 1er au 17e verset. Amen. Excusez-moi, nous allons tous lire. Soyez près de quelqu'un qui a une Bible. Quand nous lisons, tu comprends l'histoire. Des fois, on ne comprend pas bien les histoires parce qu'on a entendu parler, mais nous-mêmes, on n'a pas lu. Ou bien on avait lu, mais ça fait un long moment. Je veux vraiment que tu prennes le temps de lire avec le lecteur jusqu'à la fin du verset 17. C'est parti. Jonas, le premier verset, le chapitre 1, je lis à partir du premier verset au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Mais non, attends, dis à ton voisin, pourquoi Jonas avait fui? Tu es prophète, on te donne un message, pourquoi tu fuis? On peut répéter encore? Répète encore, comme ça tout le monde comprend. Verset 3. Je reprends au début? Yes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons point. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, verset 11, ils lui dirent,
Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Verset 12. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Dis à ton voisin, Jonas n'avait pas peur de la mort. Jonas n'avait pas peur de la mort. C'est clair, n'est-ce pas? Yes. On y va. Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Dis à ton voisin Lingala, n'orkoufa pas na moutouté. Dis à l'autre voisin, n'orkoufa pas na moutouté. En français, je ne vais pas mourir pour qui que ce soit. Amen, amen. Yes. On y va. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Dis avec moi, ils firent des vœux. Ils firent des vœux. Verset 17. Ça s'arrête là. L'Éternel fit venir un grand poisson. Certains disent une baleine. C'est le plus grand que l'on connaisse. Pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Pasteur Jonathan, chapitre 2, versets 1 à 10. Chapitre 2, 1 à 10. Chapitre 2, à partir du verset 1er. Bon, je pense que c'est le verset 17 de votre verset. Ah, d'accord. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Au sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et toutes tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Encore. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Encore. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'avant-dernière fois. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la dernière fois. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Yes. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux m'ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Verset 9. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Fait. Dis avec moi, Jonas avait fait des vœux. C'est clair? Yes. On y va? Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Père, bénis ta parole ce soir par le Saint-Esprit. Illumine, éclaire nos esprits à lui de ta parole. Merci de saturer cet endroit de l'onction et de l'atmosphère prophétique. Et merci durant ces 3 jours de nous conduire, Saint-Esprit, sur des terrains extrêmement spirituels et sacrés, car il y a urgence dans l'atmosphère. Il y a urgence dans nos vies. Il y a urgence à cause des défis devant lesquels nous nous sommes retrouvés. Nous voulons une intervention rapide. Nous voulons une intervention surnaturelle. Nous voulons que tu nous dises là où nous avons fauté. Nous voulons réparer avec toi là où nous avons abîmé. Nous voulons que tu relèves notre tête au milieu du combat. Nous voulons que tu sois notre épée et notre bouclier. Nous voulons que tu sois notre force et notre rempart.
soit le refuge et la forteresse, la haute retraite et le rocher sur lequel nous allons nous tenir. Ma prière durant ces 3 jours, que quelqu'un soit visité. Ma prière durant ces 3 jours, que quelqu'un puisse témoigner. Ma prière durant ces 3 jours, qu'il y ait une percée surnaturelle. Quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais expérimenté à la porte des cieux. Ce genre de témoignages qui nous font trembler. Ce genre de témoignages qui poussent le monde à dire, il y a un Dieu dans ces lieux. Laisse que ce soit les témoignages que mon frère va donner, que ma soeur va donner. Ô Dieu d'Israël, glorifie ton nom, Dieu des esprits des prophètes. Guéris les malades qui sont malades. Libère ceux qui sont empoisonnés. Fais marcher les infirmes et les paralytiques. Tant ceux qui sont en ligne ou ceux qui sont ici, que le monde afflue durant ces 3 jours. Parce que tu as envoyé des anges spéciaux pour visiter toute personne qui avait fait des vœux ou toute personne qui va faire des vœux. Nous nous attendons à toi, Père, pour la gloire de ton nom. Dans le nom suprême et glorieux de Jésus. Dans le nom suprême et glorieux de Jésus. Dans le nom suprême et glorieux de Jésus. Dans le nom suprême, tout puissant et glorieux de Jésus. Que nous aimons, adorons et célébrons. Et acclamons par-dessus tout. Car lui seul mérite la gloire. Il mérite l'honneur, la louange et la majesté. La magnificence pour des siècles et des siècles. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Dans mon esprit, je suis en train de voir quelque chose que j'aime alors que je suis en train de prier. Je vois dans mon esprit un enfant. Je vois dans mon esprit un enfant. Je ne sais pas s'il est ici ou il est attaché à quelqu'un. Je vois dans mon esprit un enfant qui est ici ou bien qui est attaché à quelqu'un. Ou à quelqu'un qui est attaché à quelqu'un d'autre. Peut-être c'est un enfant attaché à ta soeur ou attaché à ton frère. Ou attaché à toi. J'entends dans mon esprit Ophranel. Comme Ophranel. 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 Vous, qui d'autre? Ophranel. Vous d'autre? Vous aussi. Avancez. Tout le monde avancez. 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 Acclamez très fort. Ophranel. Ophranel. Acclamez très fort. Le Saint-Esprit est là. Une, deux, trois, quatre. Ah, vous aussi. Acclamez alors qu'ils avancent. Soyez assis, debout, comme vous voulez, mais soyez en prière. Parce que Dieu a décidé de nous visiter aujourd'hui. Avance, prophète. Soyez debout ou bien assis, mais soyez en esprit. Amen. Dis à ton voisin, debout ou assis, je reste en esprit. Debout ou assis, je reste Donnez-lui le micro. Qui est Ophranel pour lui? C'est la fille à mon frère, aîné. La fille à votre frère. Votre frère s'appelle comment? Amos. Amos. C'est qui Ophranel pour vous? C'est la fille à une sœur que je connais. La sœur là s'appelle comment? Laure. Ophranel, c'est qui pour vous? C'est votre fille? Oui. Ophranel. Ok. C'est qui Ophranel? La fille a une sœur que je connais. La sœur s'appelle comment? Keren. C'est qui Ophranel pour vous? C'est la fille à ma cousine. La fille à votre cousine? Oui. Elle s'appelle comment? Abigail. C'est qui Ophranel pour vous? La fille d'une amie. L'amie s'appelle comment? Armel. Armel. C'est qui Ophranel? La fille à ma grande sœur. Elle s'appelle comment? Aminata. Aminata. Oui. Qui d'entre vous a son père qui est pasteur? Les autres rentrés. Avance, prophète. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Qui est au fond là-bas? C'est qui? Qui est Daniel pour vous? Votre père est pasteur? Non, mon mari. Votre mari? Oui. Il s'appelle comment? Caleb. Caleb. On vous appelle comment? Becky. Becky. Oui. Votre père s'appelle comment?
Mon père s'appelle Raphaël. Raphaël. La personne que je cherche s'appelle Mavi. Merci Saint-Esprit. Avance prophète. La personne que mon esprit cherche s'appelle Mavi. Mavi. Oh. Attendez. C'est qui au Franel pour vous? C'est mon fils. Ah. Avance prophète. Merci. Franel, c'est votre fils. Oui. Il a quel âge maintenant? 4 ans. 4 ans. Il est né en quelle année? 2019. D'accord. Franel. Franel. Balancez les mains dans la présence de Dieu. Dis merci Saint-Esprit là où tu es. Merci Saint-Esprit. Dis encore merci Saint-Esprit. Merci Saint. Je peux te raconter une histoire. Il était une fois une sœur qui s'appelait Mavi. La sœur s'appelle Mavi. Elle est la fille d'un pasteur qui s'appelle Daniel. Oui. Elle est fille de pasteur. C'est ma vie, n'est-ce pas? Oui. Sa maman est de Mujmaï. Oui. Du Kassai, de Mujmaï. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. D'un village qu'on appelle Mouya. Je ne sais pas trop. Tu ne sais pas? Demande à maman. Maman Janine? Oui. Maman Janine Mbelou. Avance, prophète! Tu vas demander à maman. Demande à maman. Parce que Dieu est en train de toucher ta mère, de toucher ton père. Mais je les laisse d'abord. Je vais commencer avec toi. Je te raconte l'histoire, non? Nous sommes le 1er novembre. Le mois qui vient de se terminer. Franel a fêté l'anniversaire. Il a fêté son anniversaire. Attends. Il a fêté l'anniversaire. Et l'anniversaire, c'était même compliqué parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'est ça? Mais Franel a fêté l'anniversaire. Il a eu 4 ans maintenant. Oui. Il a totalisé 4 ans. La brada. Le 11 octobre. Le 12 octobre. Le 12 octobre. C'est le 12 octobre? Oui. Voilà. Son anniversaire, c'est le 12 octobre. Mais tu étais allé à l'hôpital le 11 octobre. Oui. C'est ça? Tu étais allé un avant midi. Avance, papa. Tu étais allé. Je te raconte l'histoire, non? Le jour avant que l'enfant ne naisse, tu pensais que l'enfant allait naître le jour d'avant. Mais l'enfant est né le jour d'après. Tu es allé et jusqu'au soir et le lendemain, l'enfant est venu. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je t'appelle toi. Parce que dans mon esprit, je suis en train de voir cet enfant-là. Il est le fruit d'un vœu. L'enfant que je vois là, Franel, c'est offrande de l'éternel. Offrande à l'éternel. C'est ça? C'est ça. Pourquoi cet enfant porte ce nom? Parce que c'est un enfant qui est comme Samuel. Quand je dis Samuel, ce n'est pas ton frère Samuel. Quand je parle de Samuel, c'est comme le Samuel de la Bible. Le Samuel de la Bible est l'image de l'enfant que tu as. Pourquoi? Parce que tu es fille de pasteur. Quand tu es tombée enceinte, ça a été un scandale. Tu avais le choix entre avorter ou garder l'enfant. Attends que je te voie bien. Est-ce que ce que je dis c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? Oui. Tu avais le choix entre avorter ou garder l'enfant. Oui. C'est vrai ce que je dis? Oui. Non. Est-ce que ce que je dis c'est vrai ou bien je suis en train de... C'est vrai? C'est vrai. Et la grossesse compliquée. Et tu as décidé de ne pas avorter. Mais de garder l'enfant. Et tu as fait le vœu. Est-ce que tu te rappelles du vœu que tu avais fait? Oui. Tu me dis, Adieu, si ça se passe bien cet enfant, tu vas le lui donner. Et il va commencer à servir Dieu. Et je t'informe, pendant que je parle là, l'ange qui est avec moi est en train de te toucher sur l'épaule droite. Parce que cet enfant fera les choses que je fais. Et parce qu'il est une offrande à l'autel de l'Éternel. Yes! Avance, prophète! Le Seigneur me dit de te dire par son esprit.
Sois très consciencieuse, Labra di Asava, par rapport à cet enfant. N'emmène pas ses enfants dans la musique mondaine, dans les choses du monde. Parce que cet enfant a été totalement consacré depuis ton ventre. Le péché est une erreur, mais l'enfant ne l'est pas. Si l'enfant entre dans le monde des destinées, c'est que l'enfant a une destinée. Et l'enfant va oublier le père de l'enfant, maman. Dieu seul sait. N'est-ce pas? Parce que tes parents ont décidé de mettre la main sur la vie de l'enfant aussi. N'est-ce pas? Parce que ce sont des pasteurs, ils ont décidé de t'aider par rapport à l'enfant. Et je vois l'atmosphère de la prière dans la maison et la main de Dieu visiter cet enfant. Mais Dieu me dit de te dire ceci. L'enfant est mis à part par lui, mais toi, tu dois réparer avec ton père. Parce que malgré que les choses se sont plus ou moins arrangées, je vois la bradia sova la kamasa. Je vois ton père sous la colère. Il avait dit beaucoup de paroles qui étaient dangereuses. Tu dois aller parler à ton père. Il faut que ton père, s'il va suivre ce live ou pas, ton père doit retirer les paroles qu'il avait dites. Parce qu'il y a quelques-unes d'entre elles qui sont encore dans l'atmosphère. Accomplis tes voeux à l'Éternel. Et le jour où tu oseras seulement emmener cet enfant dans une autre voie que dans la voie pour laquelle tu avais donné cet enfant à Dieu, tu commenceras à avoir des problèmes. Et tu risques de partir avant ton temps. Mais puisque Dieu t'aime, il va te préserver. Cet enfant est un vœu ambulant. 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 Elle pleure? Cet enfant est un vœu ambulant. Dieu t'aime. Et Dieu va essuyer tes larmes. La vie que tu avais est finie. Maintenant là, toi aussi tu vas servir Dieu. Amen. Tu dois t'engager à servir Dieu. T'engager à servir Dieu. Oh Rabasabra de Asavala. Saint-Esprit de Dieu, on avance. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dis encore avance prophète. Avance prophète. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelque chose sur elle. Avance papa. Le vent de la mort est en train de partir. Yes. Parce que le vent de l'esprit est en train de souffler. Yes. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Avance prophète. Dieu te visite, toi et tous ceux de ta famille. Yes. Enlève un peu le micro. Quand je parle, je vois, tu es l'aîné de la famille. Tu es l'aîné. Après je vois, il y a Gladys, il y a Samuel, hein. Il y a Samuel, après à Gladys. C'est toi l'aîné. Oui. Mmh. Les parents comptaient beaucoup sur toi. Tu chantes toujours? Non. Pourquoi? Depuis cet accident, je ne chante plus. Dieu me dit, il a besoin de ta voix. Tu dois reprendre à chanter. Ce n'est pas un accident, maman. C'était arrivé. Un péché n'est jamais un accident. C'était prémédité. Même si on n'avait pas planifié un enfant. Mais Dieu a un plan pour toi. Avance, avance un peu, avance un peu. Mets juste ton pied droit sur l'autel. Touche juste ton pied droit sur l'autel. Retire, 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 retire. Retire ton pied. Voilà. Je viens de te préserver de quelque chose de fort qui voulait t'arriver. Regarde-moi ici. Ne pleure pas. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Mercredi? Le 1er novembre. Par amour pour toi, Dieu vient de te préserver de quelque chose. La chose que je vois là doit normalement t'arriver dimanche. Mais j'annule ça. Parce que je te vois prendre le chemin qui part après l'aéroport là-bas. Tu travailles? Oui. Tu travailles? Oui. Je vois quelque chose qu'on appelle comme camp, quelque chose. C-A-M-P. Camp David. Camp de? Camp David. Camp David. Tu fais quoi là-bas? Je suis serveuse. Tu es serveuse. Ok. Ce dimanche, tu dois travailler? Non. Tu voulais y aller? On ne m'a pas proclamé. On ne t'a pas proclamé? N'ose pas y aller. Parce que je vois comme un accident du côté de Ngandaya là. Je lève ma main comme prophète. Toute personne ici dans la salle devant qui on a prévu un accident de circulation, même en ligne, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que cet accident est annulé au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ta mère fait quoi maintenant? Pour le moment, elle fait rien. Elle avait un salon? Oui. Un salon de coiffure? Oui.
Oui. Dis à maman pasteur de réouvrir le salon. Parce que je vois des mèches, des plantes, tout ça entre ses mains. Dieu veut bénir ce qu'elle va faire avec ses mains afin de contribuer aussi en étant valeur ajoutée. C'est vrai que les problèmes de finances sont là. Mais Dieu dit à la fin du mois de novembre, jusqu'en décembre, Dieu va ouvrir des portes pour elle. Et je vois dans mon esprit qu'elle va réouvrir cette affaire. Elle ne va pas d'abord commencer avec un salon, elle va commencer à vendre. Parce qu'elle a ça entre les mains. Dieu va bénir cela et elle va réouvrir le salon pour la gloire du nom du Seigneur. Regarde-moi bien. Ta mère a une sœur aux États-Unis? Elle a des sœurs aux États-Unis. Elle a des sœurs. Parce que quand je pars, je vois le drapeau des États-Unis comme ça. Et mon esprit est exactement à Chicago. Tu sais ou bien tu ne sais pas? Je sais. Tu sais? C'est à Chicago qu'elles sont? Oui. Non, celle qui est à Chicago, je vois Nadia. Nadine Moukage. Nadine. On l'appelle aussi Nadia. Oui. Nadine comment? Nadine Moukage. Maman, les histoires de mouille, elles veulent aller la suivre là-bas. Mais parce que le pasteur prie et parce que nous nous sommes ici ensemble en prière, je décrète et déclare qu'aucun mal qui vient du village de votre mère ne pourra non seulement toucher maman Janine, mais aussi sa sœur. Je décrète et déclare sur toi, peu importe les gens attachés à toi ici au pays, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, je décrète et déclare la protection divine et la sécurité divine au nom de Jésus-Christ. Je dis bien au nom de Jésus-Christ. Alors que tu poses l'offrande sur l'autel, laisse que le Dieu que je sers préserve tes frères, préserve tes sœurs, préserve tes oncles, préserve tes tantes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Le pradiyamasovalake la masobrada maseke. Les rababa, maman Nadia est protégée, ta mère est protégée, ton père est protégé, votre maison est protégée et sécurisée. Je décrète et déclare une saison de pureté dans ton corps, de sainteté dans ton corps. Dieu va à nouveau utiliser ta voix avant d'utiliser ton fils. Les bradabaseke et riyamazo palayamaseke, alama et lama sopra liyama et laba sopra. Ouvre tes deux mains. Ouvre tes deux mains. Pendant que je parle, mon esprit te voit en train de travailler. Toi, tu m'as dit que tu es seulement serveuse. Moi, je ne te vois pas que là. Moi, je te vois à Kin comme Kin marcher, comme Kin comme Kin marche, comme. C'est quoi? Kin marcher. Qu'est-ce que, pourquoi je te vois là-bas? Je suis à la parfumerie. J'ai marche. J'ai comme. J'ai marche Kin marcher. Je suis à la parfumerie. Tu travailles là-bas? Oui. Comment? À force, prophète, je décrète et déclare que tout ce que tu fais comme travail, toi qui me suis en ligne ou ici, les mains des anges touchent tes mains ce soir. Yes. Parce que Dieu maudit la sécheresse. Man. Il maudit le manque. Yes. Il maudit les blocages. Il ramène l'abondance sur tes mains. Yes. Dans le nom, va chez maman, elle va prier pour toi. Mets-toi, je le maman va prier pour toi. Un vœu. Qui a un enfant qui a été donné à Dieu ici? Une femme ou un homme? Parmi tes enfants, il y a un enfant, tu avais dit à Dieu, je te donne cet enfant. Lève la main. Qui d'autre encore? Oui, qui d'autre? Je ne dis pas, Nzamena, plus sur moi là-haut, mais tu as vraiment donné à Dieu pour que cet enfant serve Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Lève la main. Que Dieu bénisse les ânes en ces lieux. Il y a aussi des ânes masculins. Que toutes ces personnes qui ont fait des vœux, que ces enfants-là vont servir Dieu. Puisque vous avez donné à Dieu votre prémisse, que vous ne manquez de rien. Et que la olabaso bradamase valiamase valabaso brade aliamase bradiamasoka ale bradamasa kadamamashande arababa. Je vois Dieu restaurer les finances ce soir. Je vois toute personne qui travaille quelque part, yes, dans un magasin, dans une boutique, dans une entreprise publique, quelque part où tu travailles, que le Dieu que je prie, que j'ai prié aujourd'hui, que le Dieu que je sers et pour lequel je travaille, puisse bénir l'œuvre de tes mains, yes, puisse multiplier l'œuvre de tes mains. Dans le nom, acclame très fort là où tu es. Ouh.
Yes, 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 yes. Donne-moi une feuille et un papier. Et une feuille et un bic. Yeah. La prade mandoli mandeda masobra alle prade mande le mendo soprali kamande le mende soprale alabra ne mando soprali amande. Sois en prière, sois en prière. C'est trois jours de prière. Les prières montent, mais les exaucements descendent. À Dieu tes prières, à toi les exaucements. Pourquoi tu n'as pas dit amen? À Dieu. 1 9 0 1. Oh, oh. Oh. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Wow. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Yes, 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 yes. Merci Seigneur. Amen. Baissez le son de la musique, on va enseigner. Qui est béni ce soir? Waouh, l'atmosphère est bien. Balance les mains, dis merci Saint-Esprit. Dis encore merci, Saint-Esprit. Amen. Qui est content d'être là ce soir? Qui est béni d'être là ce soir? Voilà. Ce soir, je vais enseigner. Je vais introduire nos trois jours de prière. Ce soir, je vais enseigner sur le thème le mystérieux vœu du prophète Jonas. Le mystérieux vœu du prophète Jonas. Dis avec moi le mystérieux vœu du prophète Jonas. Le Saint-Esprit a décidé de donner à l'Église en cette saison une des stratégies, une des méthodologies, une des technologies spirituelles la plus avancée qui emmène le croyant à développer non seulement une dimension très élevée de sa relation avec Dieu, mais aussi qui emmène le croyant à palper rapidement et avec garantie de 100% l'exaucement à ses prières. Et cette technologie spirituelle s'appelle les vœux. Vous savez, les enfants n'étaient même pas encore nés, je parle de Jacob et de Ésaü, que Dieu avait décidé de faire du cadet, bien qu'ils étaient des jumeaux, celui qui allait avoir de l'ascendant sur son frère. Il avait aimé Jacob, il avait haï Ésaü. Lorsque les enfants sont sortis, c'était deux nations, comme Dieu avait dit à Rebecca, qui étaient en train d'être en conflit dans le sein maternel. Et Rebecca savait que c'est Jacob qui devait hériter du droit d'aînesse. Je ne parle pas des lentilles ici, je parle de quand Jacob, excusez-moi, Isaac avait décidé de bénir Ésaü comme étant l'aîné. Il ne voyait plus, il était déjà avancé en âge et il voulait bénir son fils aîné. Rebecca, ayant appris cela comme étant la femme, a dit: par quelle voie je peux emmener Jacob à entrer dans son héritage? Par quelle voie je peux emmener Jacob à être béni? Par quelle voie je peux emmener Jacob à entrer dans sa vraie destinée? C'est vrai que Jacob n'est pas l'aîné, mais Dieu m'avait déjà dit dans le sein maternel que c'est Jacob qui allait être l'aîné. Mais le père veut accomplir autre chose que ce que Dieu m'avait dit dans ses desseins éternels. Alors Rebecca, connaissant la loi, connaissant les coutumes, elle a emmené Jacob à côté. Elle a donné à Jacob des instructions qu'il devait suivre. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Il devait avoir un gibier, il devait se couvrir les mains avec des poils pour confondre, car Ésaü était velu. Bref, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Elle a appliqué ça et Jacob a été béni. J'aimerais dire à quelqu'un, si Isaac est l'image du père, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit peut être l'image de Rebecca. Parce que le Saint-Esprit
il est celui qui est mieux placé, puisqu'il connaît le Père. Comment? Il est mieux placé pour te dire à chaque fois que tu as un besoin, à chaque fois que tu as des combats, à chaque fois que tu as des défis. Voilà pourquoi Paul a dit, priez en tout temps par l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, connaissant le Père et le cœur du Père, peut te dire à chaque saison de la vie quelle est la méthode que tu dois appliquer pour avoir des réponses immédiates et avoir des exaucements 100% garantis. Et le Saint-Esprit m'a dit en cette saison d'enseigner non seulement à la porte des cieux, mais aussi au corps du Christ de la francophonie, cette technologie spirituelle qui emmène des garanties de 100% d'exaucement qu'on appelle les vœux. Parce que Rebecca connaît les voies par lesquelles on peut recevoir la bénédiction de la bouche d'Isaac. Parce que le Saint-Esprit connaît qu'en cette saison, ce n'est pas par les combats spirituels que tu seras exaucé. Ce n'est pas par des jeûnes que tu seras forcément exaucé. Ce ne sont pas par les offrandes que tu seras forcément exaucé. Mais le Saint-Esprit sait que l'arme de la saison que tu peux utiliser pour préparer même 2024, pour activer une nouvelle saison, c'est ce qu'on appelle les vœux. Viens avec moi, les vœux. Acclame et je veux commencer. Alors, on va un peu parler de Jonas ce soir. C'est mon introduction. On va prier et demain sera là. Demain maintenant, je vais entrer en profondeur. C'est quoi un vœu, les types de vœux, comment faire les vœux. On va vraiment approfondir demain et vendredi. Mais ce soir, j'aimerais introduire en parlant sur le vœu du prophète Jonas, qui est mystérieux parce que la plupart, en lisant seulement ce soir, ont découvert que Jonas avait fait des vœux. Amen, amen. Alors, quels étaient les vœux que Jonas avait fait dans cette histoire? Déjà, vous devez savoir, si on doit mettre tout dans un contexte biblique, Jonas est le prophète qui a prophétisé sur Ninive. Mais il n'est pas le seul. Il est souvent jumelé avec Naoum. Amen. Puisque les deux viennent de la même région d'Israël. Naoum vient d'un lieu qui n'est pas très loin de Nazareth. Parce que, à vrai dire, Jonas est né à Nazareth. Mais Naoum est né dans la région qu'on a appelée plus tard Capernaum. Parce que Caper veut dire village et Naoum veut dire Naoum. Donc on parle de Capernaum, beaucoup ne savaient pas, on parle du village de Naoum. Amen. Jonas, les deux viennent à peu près de la même région. Nous avons été en Israël, nous le savons, Nazareth n'est pas loin de Capernaum, puisque c'est dans la Galilée. Et dans la Galilée, il y a le lac de Galilée qu'on appelle aussi le fleuve de Génézareth ou qu'on appelle aussi la mer de Galilée, fleuve de Génézareth ou bien lac de Tibériade. C'est la même étendue d'eau, mais quand vous êtes du côté de Génézareth, on appelle ça fleuve de Génézareth. Quand vous êtes du côté de Tibériade, on appelle ça lac. Donc ça dépend de la région à partir de laquelle vous êtes en train de nommer ou de voir cette grande étendue d'eau. Et Jonas est né à Nazareth. Et même, il se pourrait que quand Jésus-Christ parlait de Jonas, dans Matthieu, dans Luc, on en parle, il parlait d'une comparaison avec quelqu'un qui était né, qui avait vécu exactement là où lui aussi il avait vécu. Amen, amen. Donc tout le monde pouvait comprendre qu'il avait fait, parce que Jonas est le seul prophète à qui Jésus s'est comparé. Le seul. Il s'est comparé à aucun prophète dans les quatre évangiles. Il ne s'est comparé qu'à Jonas. Pourquoi? Je le crois aussi, c'est parce qu'ils étaient tous les deux issus de la même région. Amen. Non seulement Jonas, mais aussi Naoum. Naoum 1, verset 1, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'El-Kosh. Naoum avait aussi prophétisé sur Ninive. Amen. Et à part eux, il y a aussi l'un d'entre les prophètes qu'on appelle Sophonie. Sophonie 2, verset 13. Il étendra sa main sur le septentrion. Il détruira la Syrie. Il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Non seulement Jonas a prophétisé sur Ninive, il y a aussi Naoum qui a prophétisé sur Ninive. Et il y a aussi Sophonie qui a aussi parlé de Ninive. Mais quand on voit Sophonie parler, Sophonie fait un lien entre Ninive et la Syrie. Pourquoi? Parce que Ninive était la capitale de la Syrie. Amen. Dis amen bien qu'on avance.
Dis encore Amen. Et c'est de là qu'on a des rois comme Sankérib. Vous allez voir ça dans 2 Rois 19, verset 36. On dit, alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retournant, et il resta à Ninive. Amen. Et à l'époque, tout le monde le savait, Ninive était une grande capitale, une grande ville, une grande métropole, et la capitale d'un grand empire qui partait aux frontières de l'Inde, qui avait même jusque eu à conquérir l'Égypte. La Syrie était un très grand empire à l'époque. On a eu plusieurs rois, notamment celui que nous connaissons au nom de Sankérib. Et les Assyriens étaient des rois, étaient un peuple très méchant. On les connaissait parce que même quand ils faisaient des conquêtes comme autrefois, ils allaient avec des... Ils tuaient violemment, brutalement, sadiquement leurs leurs ennemis, leurs adversaires. C'était un peuple très méchant. Voilà pourquoi leur méchanceté parmi tous les peuples était tellement montée vers Dieu que Dieu a dit non, non, non. Je vais appeler quelqu'un de Cana, d'Israël, pour aller prophétiser de l'autre côté des eaux à ce peuple qu'on appelle la Syrie et précisément à la capitale qu'on appelait Ninive. Amen. Et Nazareth, Capernaum, c'est dans cette partie du nord d'Israël. Mais quand vous allez au sud, je vous avais dit ici, au sud, nous avons Jérusalem parce que c'est là qu'on appelle la Judée. La Judée. La Judée, c'est au sud. Et ceux de la Judée étaient très traditionnels, étaient très conservateurs, étaient très nationalistes. Mais ceux du nord étaient très internationaux, parce qu'il y avait la mer, il y avait les rivières, il y avait les eaux, bref, il y avait l'accès à l'Asie, il y avait l'accès aussi à l'Europe, l'Asie, l'accès aussi à l'Afrique, parce que vraiment, cette partie nordique d'Israël est une partie qui était ouverte à plusieurs peuples, et Jésus a passé la plupart de son temps au nord, n'est-ce pas, plutôt qu'au sud. Jésus a plus passé son temps à Capernaum et ailleurs qu'au niveau de Jérusalem. Quand il était à Jérusalem, il était sur la montagne des Oliviers, il allait dans le temple et c'est même à partir de là qu'il était mort. Il avait quitté le nord pour aller au niveau du sud. Et quand on parle de la Galilée, Matthieu 4, on parle même de la Galilée des gentils, n'est-ce pas? Parce que c'était la partie des païens, la partie, il y avait beaucoup d'autres peuples qui venaient, certains de l'Asie, d'autres de l'Afrique et même d'autres de l'Europe. On peut avancer? On peut avancer? Et ce n'est pas très loin de là qu'on a la grande vallée qu'on appelle Megiddo ou en hébreu qu'on appelle Armageddon. C'est pratiquement dans cette zone-là qu'il y aura la grande guerre avant la seconde venue du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs peuples qui auront accès à cette partie nordique pour pouvoir frapper et attaquer Israël. Jésus était très connu dans la partie nord d'Israël plutôt que dans la partie sud d'Israël. Et Jonas a été le premier à prophétiser sur Ninive. Ensuite, Naoum est venu et les Sophonies sont venues juste après ça. L'Empire assyrien a existé à peu près pendant 750 ans. C'était un empire très, très, très puissant, avec de grands rois. Ils avaient même fait invasion au niveau d'Israël à une certaine époque. On peut avancer? Et Dieu a dit à un Hébreu, c'est-à-dire à un Hébreu né de Nazareth, d'aller vraiment prendre un navire et d'aller très très loin dans un long voyage pour aller annoncer la parole prophétique. Comme quoi, il avait dit combien de temps Ninive ne sera plus? D'ici quand? Pardon? 40 jours. Oh, lecteur de la Bible, vous êtes où? On est dans Jonas 3, n'est-ce pas? D'ici quoi? D'ici 3 jours, voilà, je vais lire pour vous. Voilà. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore, d'ici 40 jours, Ninive ne sera plus. Pratiquement 6 semaines, Ninive ne sera plus. Il a parlé, il a prophétisé. Et Ninive, à la conclusion, et arriver à quoi? À la repentance. Alors, une chose que j'aime beaucoup quand j'ai étudié le livre de Jonas, c'est que quand vous lisez Jonas, vous voyez vraiment que le livre de Jonas révèle le Dieu créateur. Non seulement qui est le Dieu créateur,
mais aussi il est le Dieu qui a le contrôle de sa création. Vous avez déjà vu ça? On voit des êtres humains qui invoquent des dieux dans un navire, ils avaient peur de mourir, mais Dieu a fait souffler un vent dans la mer. La mer qui était créée par Dieu a été secouée par le vent, par la tempête. On a ici une deuxième image. Lorsqu'on prend Jonas, on le jette par-dessus la troisième corde. La mer se calme et s'apaise. Troisièmement, on a un gros poisson qui vient et qui prend Jonas, qui le garde dans son sein pendant 3 jours. Et après ça, on voit encore ce poisson vomir. Vomir Jonas exactement là où il y avait le panneau écrit « Bienvenue à Ninive ». Et quand on va encore plus loin dans l'histoire, on voit comment Dieu pardonne à ces 120 000 Ninivites qui avaient péché. Et quand cela s'est passé, on a aussi l'histoire du ricin, de Dieu qui fait pousser, n'est-ce pas? Un arbrisseau, une plante, Dieu fait pousser, on voit le Dieu créateur faire sortir de terre une certaine plante, on voit Dieu envoyer un ver, n'est-ce pas? Et on voit ça quand on voit un vent chaud passer. Donc on a plusieurs éléments comme ça qui nous montrent que Dieu est le Dieu qui maîtrise la création. Et ce Dieu-là, il est l'Éternel, le Dieu de tous les dieux qui ont été invoqués dans les navires. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui appelle les prophètes est le Dieu des dieux. Il a la maîtrise sur le vent, la maîtrise sur la terre, la maîtrise sur la météo, la maîtrise sur les 4 éléments. Dis amen bien. On a l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu. Dis amen bien. Quand Élie a invoqué le feu, Dieu a envoyé l'élément feu. Quand Dieu a invoqué la pluie, Dieu a envoyé l'élément eau. Parce que Dieu maîtrise et le feu et l'eau. Comment? Il maîtrise et le feu et l'eau et l'air et la terre. Et ces 4 éléments, il les a mis en toi. Parce que dans Genèse 2, on dit, il a formé le corps de l'homme avec l'argile de la terre. Ton corps, c'est l'élémentaire. De deux, ton corps est composé plus d'eau que d'os ou même de chair, de nerfs et d'autres choses. Parce qu'il t'a donné l'élément terre et l'élément eau. Troisièmement, il t'a donné l'élément air. Fais ça. C'est par l'oxygène que tu respires. Et il t'a donné la chaleur et la température au corps. Acclame très fort, on va avancer. Et c'est ce Dieu-là que nous prions, qui a la maîtrise et le contrôle de tout ce qu'il a créé. J'aimerais dire à quelqu'un dans la Bible, une fois Dieu voulait punir les hommes, il a fait pleuvoir une pluie de pierres. J'aimerais vous dire une fois, un des fils de David était rebelle, il voulait s'en prendre à son père, il s'en était même pris à son père. Sa tête a été bloquée dans les branches d'un térébinthe. J'aimerais dire à quelqu'un que ce Dieu-là a été capable de faire souffler un vent et de faire tomber la viande que les juifs ont mangée. Ce Dieu que tu pries durant ces 3 jours est capable d'utiliser même les éléments de la nature. On voulait que tu meurs d'un accident quelque part en rond-point Gaba. Dieu peut faire tomber la pluie pour te donner d'arriver en retard au travail, pas parce que tu es quelqu'un qui n'est pas ponctuel, mais parce qu'il t'a épargné d'un accident là-bas en ayant utilisé l'eau. Je décrète et déclare, il y a de tes ennemis qui existent, qui vont mourir sous la douche. Il y a de tes ennemis riches qui sont, ou même au gouvernement ou quelque part, ils prennent un bon bain, ils meurent dans l'eau. Dieu va utiliser tous les éléments de la nature pour te défendre, te justifier, te protéger et te conduire. Dis amen très fort. Voilà pourquoi à l'époque, de Jonas, malgré tout ce qu'il avait traversé, Dieu a envoyé un gros poisson. Je me dis à quelqu'un, tu passeras par les eaux, mais elle ne te submergera pas. Comme les amis de Daniel, tu passeras par le feu et il ne te consumera pas. Parce que dans le feu, l'élément feu va apparaître lui-même comme ayant une image d'un fils de Dieu. Les séraphins, on les appelle même les serpents brûlants. C'est des êtres de feu. Pourquoi les séraphins ne se brûlaient pas quand ils prenaient la braise dans le chaudron? Parce qu'un feu n'est pas brûlé par le feu. Il a pris cette pierre. Il a
sorti, il a purifié la bouche du prophète. Il a dit, ton péché est pardonné et ton iniquité est ôtée. Il est expié. J'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance en ce Dieu-là. Même si tu manques, un corbeau peut venir te donner la nourriture. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis, un corbeau peut te donner la nourriture. Je dis, un corbeau peut te donner la nourriture. Il y a certaines personnes qui veulent ta mort. C'est une anophèle, un moustique qui va les tuer. Malaria, malaria, malaria. Ce n'est pas malaria normal. C'est le Dieu maître des armées qui va envoyer une moustique. Oh, tu n'as pas dit amen. Le Dieu que je sers, le Dieu que tu pries, ces trois jours-là, il va utiliser toutes les armées des cieux, de la terre, de la mer et des eaux pour te justifier et pour te défendre contre tes adversaires. Voilà pourquoi qu'ils ne marchent pas sur la terre. S'ils marchent sur la terre que Dieu a créée, ils vont tomber. Voilà pourquoi qu'ils ne boivent pas de l'eau. Mais s'ils boivent de l'eau que Dieu a créée, ils vont tomber devant toi. Voilà pourquoi qu'ils soient privés de sang. Mais s'ils ont le sang qui chauffe le corps là, ils vont tomber. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Le Dieu que tu pries ces trois jours va mobiliser les éléments pour te protéger et pour te garder. Je ne sais pas à qui je parle ici, mais il y a quelqu'un qui est face à des combats dangereux. À la fin de cette année, on a décidé d'en finir avec toi. En finir avec ton ministère, en finir avec ton mariage, en finir avec tes enfants. Mais je décrète et déclare l'éternel Dieu des armées. Est-ce que tu sais que la terre fait partie de la main de Dieu? Tu sais que les pierres font partie de la main de Dieu? Tu sais que l'eau fait partie de la main de Dieu? Seul, oh my God, dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Les eaux n'ont pas tué Moïse. Mais les eaux ont tué Pharaon. Ceux qui ont malédiction pour les uns seront bénédiction pour toi. Je décrète et déclare comme prophète du Tout-Puissant. L'élément eau va engloutir tes adversaires en cette saison. Je dis Pharaon sera englouti dans cette eau au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien qu'on avance. Mais vous asseoir. Et si on voit cet homme qui s'appelait Jonas fuir la voix de l'Éternel, alors on se pose la grande question qu'on se pose généralement, c'est par les théologiens, est-ce que le livre de Jonas est vrai? C'est une fiction, n'est-ce pas? C'est une fiction, c'est une légende, c'est une métaphore, allégorie, c'est juste une image. Certains même disent que c'est comme Oncle Sam représente les États-Unis. On n'a jamais vu l'Oncle Sam, n'est-ce pas? Mais on dit au pays d'Oncle Sam, tu ne l'as jamais vu. Mais quand on pense à Oncle Sam, on pense aux États-Unis. Et ainsi on dit que Jonas, c'est peut-être l'image d'Israël, qui était censée être une nation missionnaire, mais qui est en train de fuir son appel. Mais à vrai dire, aucune de ces thèses n'est vraie. Pourquoi? Parce que Jésus a cru que Jonas était un homme qui a existé. Jésus s'est comparé au prophète Jonas en parlant de sa mort et de sa résurrection. Dans les paraboles, on ne parle pas généralement des miracles. Dans les paraboles, on parle des faits qui ont existé. Ninive a existé. Amen, amen. Ninive a existé. C'était une ville qu'on connaissait. Tarsis a existé. Donc, on ne peut pas prétendre que c'était une parabole, c'était une fiction, une légende qu'on a créée. Ça a vraiment existé parce qu'on a aussi l'image de Jonas. On va le lire dans Deux Rois. On a le nom de Joseph de Jonas qui s'y retrouve. C'était un prophète qui était connu. La Syrie était connue. Ninive était connue. Alors, la deuxième grande question qui tourne autour de la vie de Jonas, c'était qu'est-ce qui s'était passé vraiment dans le ventre du poisson? Parce qu'à vrai dire, ça ne peut pas se faire. Comment un être humain peut rester trois jours dans le ventre d'un poisson? Alléluia! Dans le ventre d'un poisson, c'est la grande question qu'on peut se poser des fois. Alors, j'aimerais vous dire seulement que la Bible est vraie. La Bible est vraie. Un âne a parlé à Balaam. La Bible est vraie. Un figuier a été maudit et a séché à partir de la racine. La Bible est vraie. Les eaux étaient devenues un pavé. Jésus avait marché dessus. Tu n'as pas dit amen. La Bible est vraie. Le feu était tombé du ciel et a consumé 50 personnes. Plus d'une fois dans Deux Rois chapitre 1. Ce que la Bible dit est vrai et nous la prenons comme telle. La grande question qu'on a toujours eu autour de Jonas, c'est que qu'est-ce qui s'était passé qu'un être humain
puisse être vivant à l'intérieur du sein d'un poisson, mort ou pas, comment a-t-il pu prier dans cette circonstance-là? Déjà de un, vous devez savoir que la Bible donne toutes les preuves possibles que Jonas était mort. Donc, vous qui lisez Superbook, je vous déçois. Jonas n'était pas entré vivant dans le sein du gros poisson. Jonas était mort. Il dit, les hommes avaient environné jusqu'à m'ôter la vie. Il faut une minute, moins de deux minutes, 1 minute 30 secondes pour que l'homme puisse se noyer quand il est sous l'eau. Et Jonas avait été jeté et est entré dans les profondeurs des eaux. Les algues même l'avaient entouré au niveau de la tête. Jonas était noyé et Jonas était mort. Amen. C'est clair. Parce que Jésus ne s'est pas comparé à quelqu'un qui était au coma ou évanoui. Jésus a dit, je vous donnerai le signe de Jonas. Comme Jonas était mort, il était revenu à la vie. De la même manière que le fils de l'homme, qu'est-ce qu'il fera? Il va aussi mourir et il va revenir. Dis à ton voisin, Jonas était mort. Dis à ton voisin, Akufaka. Donc parmi les résurrections de la Bible, Jonas en faisait partie. Et la question qu'on se pose, comment quelqu'un qui était mort est revenu? Vous n'avez jamais entendu jusqu'à ce jour quelqu'un dire, il était déjà parti. Il partait, puis il a dit, Seigneur, aide-moi, sauve-moi, donne-moi encore la vie, aide-moi Seigneur. Et Dieu l'a dit, d'accord, ce n'est pas encore ton temps. Et la personne est revenue. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu ça? Parce que la prière est une technologie des vivants et des morts. Pardonnez les catholiques. Je répète, je le dis haut et fort ici, pardonnez les catholiques. Et que dis-je? Que les catholiques vous pardonnent. Je répète, la prière n'est pas qu'une technologie à la disposition des vivants. La prière est une technologie aussi à la disposition des morts. Oh, les morts ont des bouches et ont des oreilles. Comment Samuel était remonté d'entre les morts? On l'a appelé, il est venu. N'est-ce pas, il est écrit dans Jean, le temps vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Oh, les morts voient, les morts entendent, les morts parlent. Ah, dans Apocalypse chapitre 5, on dit qu'il y avait des âmes qui étaient sous l'autel. Ils étaient en train de prier à Dieu et de dire à Dieu, la vengeance jusqu'à quand? Dieu va les laisser sans vengeance. Frère, les morts prient. Oh, on n'aime pas entendre ça, mais les morts prient. Est-ce que j'ai dit qu'il faut demander à un mort de prier pour toi? Je n'ai pas dit ça. Parce que nous croyons qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, on ne pense pas à la médiation des morts pour nous, basiquement parlant. Mais ça n'exclut pas que les morts peuvent parler. Les morts peuvent prédire l'avenir. Samuel a prédit l'avenir de Saül. Demain, tu vas mourir. Tel détail, et ça lui est arrivé. Matthieu 17, Jésus était sur la montagne de transfiguration. Monte à bord. Élie est apparu. Moïse est apparu. Entre les deux, il y a un seul qui était mort, Moïse. Élie n'était pas mort. Élie est comme Enoch. Il y a Enoch, Élie et Jésus. C'est le seul qui sont vivants. Ils sont partis vivants avec leur corps. Il y a des gens ici, dans notre génération, qui partiront avec leur corps. Physiquement, il va au ciel. Physiquement, il rentre sur la terre. Kwenda, Vutuka.
Après la résurrection, Jésus était allé au ciel. Oui. Il a dit à la femme, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté auprès de mon père. Mais dis à mes frères là-bas, je vais les rejoindre. Il était allé où? Parce que quand il revient, il dit, touchez-moi. Un esprit n'a pas de corps, n'a pas de chair. Il était parti. Il était revenu. Il était reparti encore dans l'ascension. Qui est là ici? Dis à ton voisin, les morts prient. Dis à ton voisin, les morts parlent. Dis à ton voisin, les morts voient. Même quand on parle de ceux qui évoquent les morts, quand on peut dire l'esprit de Python, ceux qui évoquent les morts, ceux qui sont des voyants de l'autre côté, de la main gauche. Mais ils prophétisent avec quoi? Les esprits des morts? Ils peuvent voir le passé, ils peuvent voir le présent. Le futur, je vous laisse. Je parlerai au pasteur en privé. Dis à ton voisin, les morts. Jonas était mort. La Bible déclare Jonas, lorsqu'il est, il a commencé à rendre grâce à lui. Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Sion historique, il avait dit à Dieu, je t'ai désobéi, je me suis retrouvé ici. Si tu me sors d'ici, je te promets, j'irai à Ninive et j'annoncerai ta parole. À peine il est sorti de là, Dieu l'a encore parlé. Allez, parle! Et il annonce ce qui allait arriver à Ninive dans les 6 semaines qui allaient suivre. Le problème avec Jonas, c'était quoi, pasteur Faïta? On peut se poser la question, pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive? Parce qu'à vrai dire, il craignait Dieu. Et je suis un Hébreu qui craint l'Éternel. Ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Il craignait Dieu. Mais l'empire le plus dangereux à l'époque qui allait détruire à cause de leur méchanceté la petite nation d'Israël, c'était les Assyriens. Alors comment aller en Assyrie pour aller annoncer un jugement? Et puisque tu connais Dieu, tu sais aussi que Dieu peut les pardonner. Dieu peut les bénir. En commençant par l'enfant qui allait jusqu'au roi, qui donne des ordres de tuer les autres peuples. Et tu dis les Assyriens, c'était un peuple méchant. Ils avaient des piquets comme ça. Ils allaient te le faire entrer du bas jusqu'ici au niveau de la tête. C'était des sauvages et des sanguinaires. Dieu a dit, leur péché sont arrivés jusqu'au troisième ciel. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Encore 6 semaines. Alors pourquoi Dieu ne dit pas, demain, je vais les tuer comme Sodome et Gomorrhe? Pourquoi? Pourquoi les laisser autant de temps? C'est comme ça que Jonas était contrarié. On voit ça à la suite. Le problème avec Jonas, c'est qu'il connaissait Dieu. Il dit, je te connaissais toi-même. Ce n'est pas des menaces pour les tuer. C'est un appel pour qu'ils se répandent et qu'ils changent. Parce que je savais que tu allais encore les pardonner. Jonas connaissait Dieu. C'était un Dieu qui juge, mais c'est aussi un Dieu qui pardonne. Mais en tant que juif, ça leur aurait vraiment fait plaisir de voir ce pays des menaces-là mourir du début, du haut jusqu'en bas. Imagine quand on va au Rwanda maintenant. Faites un parallèle dans le cœur. Ne dites à personne. Dis à ton voisin, voisin, être prophète, c'est difficile. On t'envoie chez les voisins. Va dire au roi, jusqu'aux enfants qui allaitent, Dieu va frapper. Ça, c'est beau, hein? Mais tout en sachant que s'ils changent, Dieu va les bénir, les prospérer, étendre leurs limites, les faire élever encore au-dessus de toutes les nations de la terre. Toi, tu vas accepter? Dis à ton voisin, c'est ça être prophétique. Alors, quand vous voyez Jonas faire des vœux, et plus grave, ce peuple-là a fait des vœux à l'Éternel après avoir fait des sacrifices. Donc, ils avaient beaucoup de biens, ils avaient déjà jeté plusieurs de leurs cargaisons. Le bateau n'était plus pesant comme auparavant, n'est-ce pas? Mais ils ont compris le peu qu'ils avaient, ils ont sacrifié à l'honneur non pas de leur Dieu, mais du Dieu là de Jonas. Et la Bible déclare, ils ont fait des vœux. Je suis sûr qu'ils ont fait des vœux d'arriver à bon port, n'est-ce pas?
Parce que quand vous venez de sortir d'une période difficile où on dit que le ciel était orageux, le vent était furieux, ils perdaient tout ce qu'ils avaient, tout le monde était dans la panique. C'est comme ça que quand Jonas dormait, ça a attiré l'attention. Mais comment toi tu peux être là? Nous tous on invoque nos dieux, toi tu dors. Donc le grand problème c'est que à la fin d'avoir invoqué leur divinité, quand Jonas a dit moi je suis hébreu, je suis du peuple de Dieu là qui a créé la terre et la mer, ils ont compris que ce Dieu là est plus que Poséidon, ce Dieu là est plus que les divinités des mers, et ils ont décidé d'apaiser ce Dieu là et de faire des vœux. Je suis sûr qu'ils disaient au Dieu d'Israël, Dieu de l'hébreu Jonas qu'on a jeté, pardon, on l'a fait parce qu'il a dit qu'on le fasse, permets-nous d'arriver à bon port et de ne pas perdre notre marchandise. En d'autres termes, faire des vœux à cette époque-là était très connu comme étant un moyen très élevé d'être en contact avec les divinités. Qui avait dit à ces peuples-là de faire des vœux? Qui avait dit à Jonas que pour sortir de là, il fallait faire un vœu? J'aimerais dire à quelqu'un durant ces 3 jours, il y a une arme que tu n'as jamais utilisée jusqu'à aujourd'hui. Ou bien, tu l'utilisais comme un enfant spirituel. Maintenant là, tu vas appliquer les vœux par l'esprit. Et je te promets, tu vas contraindre Dieu. Je le dis bien en français. Tu vas contraindre Dieu à le faire. Parce que quand tu t'engages dans les vœux, et Dieu accepte ton vœu, il y a une alliance qui est établie. Il fait, tu feras. Tu feras et il fera. J'aimerais dire à quelqu'un, ces 3 prochains jours sont 3 jours de prières exaucées à 100% de garantie. Il existe beaucoup de prières. Certains même mettent l'adoration et la louange parmi les prières. Prière de louange, prière d'adoration. Mais à vrai dire, quand maintenant il s'agit d'emmener les pétitions, les requêtes à Dieu, il y a beaucoup de types de prières. Les prières d'intercession que l'on fait pour les autres. Dis à ton voisin, on n'intercède pas pour soi-même. N'a qu'à intercéder, n'a qu'à intercéder pour avoir problème dans la vie. Dis à ton voisin, on intercède en faveur des autres. Non, dis à ton voisin, on n'intercède pas pour soi-même. Quand tu dis intercéder pour toi-même, c'est parce que tu fais des demandes. Tu n'as pas intercédé. L'intercession se porte directement à l'autre. Parce que l'intercession est un terme qui vient du juridique, qui part du travail de l'avocat, les plaidoiries. Aucun avocat ne plaide pour lui-même. Quelqu'un me comprend? Aucun avocat ne vient là, oh, je viens plaider pour moi. Non, on a tout, même un avocat a son avocat. Un médecin a son médecin. On dit amen bien. Dis à ton voisin, on n'intercède pas pour soi-même. Dis à ton voisin, on intercède pour les autres. En tout cas, intercession. Banaro, intercéder pour un problème, ça n'existe pas. On ne plaide pas pour ses problèmes, mais pour les problèmes des autres. Dis à ton voisin, tu n'es pas l'avocat de ta propre vie, tu es l'avocat des autres. Quand il faut demander, demande à Dieu normalement. Quand il faut intercéder, plaide en faveur des autres. Il y a une autre prière qui est puissante qu'on appelle la supplication. La supplication est terrible. On en parlera un jour. C'est l'une des prières les plus puissantes qui existent. Qu'est-ce qui a amené Dieu à se repentir à l'époque de Moïse? La supplication. Qu'est-ce qui a amené Dieu à se repentir à l'époque de Samuel? La supplication. Dans Zacharie, on dit qu'il enverra un esprit de grâce et de supplication. Philippiens 4, verset 7, on dit, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos prières par des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi pas de supplications? Il y a une puissance dans les supplications. Là, on en parlera prochainement. Les supplications sont très, très puissantes. C'est aller au-delà. Il y a une différence entre Kosambela na Kobondela. Moi, je crois que Kosambela, c'est prier et Kobondela, c'est supplier. Ouais. Quand on dit Bondela, c'est qu'il faut que Dieu sente que tu es en train de toucher ses entrailles. Ce n'est pas une demande formelle. C'est aller dans les lieux où Dieu a des émotions et des sentiments. C'est mouvoir son âme au point d'entrer dans une prière d'une dimension très sentimentale, très émotionnelle, très contemplative, qui est très nostalgique.
quand quelqu'un va supplier Dieu, il pense au passé. Quand il supplie Dieu, il ramène Dieu dans la nostalgie. Comment? Il amène Dieu dans les souvenirs. Il émeut le cœur de Dieu par combien son cœur est ému. Nzambe. Là, ce n'est pas prier, là, c'est supplier. On dit Jésus-Christ dans Hébreu, notre maître. On dit pendant les jours de sa chair là, il pria à son Père et il suppliait. Il faisait d'instantes supplications. Demain, on va faire des supplications ici. Quelqu'un peut dire amen. 17h30 pile, on sera tous ici. On va prier, on va supplier. Dis avec moi, on va supplier l'Éternel. Tokosa nini? Dis à ton voisin, Kosa mela, na kobonde la, et que c'est ni. Na kobonde la, papa nabana. Je vais supplier le père de mes enfants. Nakobon de la daddy à suspendre a été. Je vais supplier papa qu'il ne la suspende pas. Là, ce n'est pas demander, papa, si tu veux. Non, là, c'est papa, souviens-toi vraiment, daddy. Nous sommes seulement tes enfants, non? Hein? Nous aussi, hein? Papa Nanga, papa Yahweh. S'il te plaît, papa Yahweh. Et la supplication, c'est la supplication qui est même la force des grands intercesseurs. Parce qu'ils savent appliquer la supplication dans l'intercession. Et quand ils touchent les cœurs de Dieu, Moïse a dit, Seigneur, enlève même mon nom du livre de vie. Dieu a dit, je tiens à toi comme ça. Il dit, retire mon nom. Qui lui a fait dire que là-bas, il y avait un livre de vie? Un homme qui est à Sinaï, qui est entré dans la nuée. Moïse a connu les mystères de Dieu, même au-delà de ce qui est écrit, je le crois. Oui, il a connu les mystères de Dieu. Il dit, enlève mon nom du livre de vie. Dieu dit, je ne ferai pas ça. Et il commence à rappeler à Dieu ce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 15. Quand vous lisez comment Moïse a supplié Dieu, il a lu directement ce que Dieu avait dit à Abraham, nommément. Il a commencé à lire. Souviens-toi de ce que tu avais dit à notre père Abraham. Dieu dit, j'avais déjà dit. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Mais mes frères et sœurs, au-delà de ces prières, il y a une qu'on appelle les vœux. Les vœux sont au-delà d'un souhait. Oh, je fais le vœu que tu évolues, que tu avances. On peut aussi dire ça littéralement comme étant un souhait, n'est-ce pas? Un désir profond que l'on aimait sur quelqu'un, une chose. Souhaiter de la bonne chance, de la fortune à quelqu'un. Mais quand on parle de faire des vœux, c'est prier. C'est entrer dans le Saint des Saints, à entrer devant le trône de la justice divine. Faire présenter à Dieu un papier avec un contrat. Un contrat qui a deux parts, mais qui va être égal à un résultat qui devra être produit. En ayant signé, après avoir dit à Dieu, je ferai ça. Si tu fais ça pour moi. Ou bien si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Parce que des fois, le vœu se fait, mais on attend que Dieu agisse pour faire notre part. Des fois aussi, on fait le vœu, on donne à Dieu la garantie et on attend qu'il fasse la suivante. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu m'as compris? Des fois qu'on fait le vœu, on dit à Dieu, Seigneur, par exemple, Seigneur, si je voyage et que j'arrive bien en Europe et que la première semaine, j'ai vraiment 50 000 euros que j'attends, je te promets de prendre 45 000 et de donner aux fondations pour aider les orphelins en Afrique. Ça, c'est normal. Tu as fait un vœu et tu attends la part de Dieu. Dès qu'il donne, tu connais le montant que tu attendais, tu connais le montant que tu dois prélever et tu accomplis ton vœu. N'est-ce pas? Dieu s'est retrouvé parce qu'il t'a donné, tu as eu ta part, il a aussi eu la sienne. Mais on peut aussi faire un vœu dans la mesure où on dit à Dieu, Seigneur, je te promets que si tu me donnes 100 000, je vais faire telle chose pour l'église. D'ailleurs, voilà la garantie que je mets. 10 000 dollars est là. Je vais le faire. Tu le fais et je te promets que je vais accomplir ceci. Frère, quand Dieu a décidé d'entrer dans ton vœu, c'est fini. Je te dis bien, c'est fini. Pourquoi? Parce que le vœu et le faire un vœu, c'est entrer dans le seul type de prière
qui permet à Dieu de retrouver ses intérêts à 100%. Tu peux supplier Dieu, il te donne et tu fouilles. Tu peux supplier Dieu, il te donne et tu gaspilles. Tu peux supplier Dieu, il te donne et tu dilapides. Mais tu peux supplier Dieu et tu fais un vœu. Tu promets à Dieu. Dieu sait que j'ai mes intérêts que j'attends. Quelqu'un peut dire amen? Et durant ces 3 jours, le Saint-Esprit, comme Rebecca, me demande de vous amener derrière la maison et d'apprendre sur les vœux. Pourquoi et comment on doit faire des vœux à l'Éternel. Alors, un de nos grands problèmes, c'est celui-ci pour clôturer. La plupart d'entre nous ici, on a déjà fait des vœux. Quand je parle de ça, je ne parle pas des enveloppes que les gens prient forcément. Enveloppe ici, enveloppe là-bas, enveloppe par-ci, enveloppe par-là. Je ne parle pas de ça. La plupart des cas durant lesquels nous nous sommes retrouvés malades à l'hôpital, lorsque l'homme a senti qu'il est en train de partir, tu ne sens plus ton corps, tu n'as que la peau sur les os. La plupart des chrétiens, je dirais même plus de 50% des chrétiens, ont déjà fait des vœux à Dieu. Si tu me sors de cet hôpital, je vais te servir. Si tu me sors de cette maladie, je vais te servir. Des fois, certains ont fait pour eux-mêmes, d'autres ont même fait pour les membres de leur famille. Papa est au coma. Si tu sors, papa, du coma, je te promets, je ferai telle ou telle chose pour l'église. Papa est sorti du coma. Où es-tu maintenant? Seigneur, maman a fait l'accident où elle est allée en Inde pour le traitement de cancer. Si elle revient et qu'elle est saine et sauve, elle est en bonne santé, je te promets que je ferai ça pour toi. Généralement, Dieu fait toujours sa part, mais nous ne faisons pas notre part. Et ce soir, Dieu m'a dit, avant qu'on avance dans l'enseignement, on doit faire table rase. Le problème, c'est que rompre un vœu, c'est d'abord impossible. Quand vous lisez la Bible, Dieu, c'est, tu sais, ça garantit tellement l'intervention divine, ça garantit tellement la mobilisation du ciel sur ton problème que le domaine de vœux est un domaine dangereux. Quand tu ouvres la bouche et tu dis à Dieu ce que tu vas faire, crois-moi, même si tu as oublié ce que tu as dit, même si tu ne sens plus ce que tu as dit, même si tu as l'impression que tu n'es même plus culpabilisé par ce que tu avais dit que tu n'as pas fait, le monde spirituel a pris ça comme acte. Et la plupart des chrétiens dont la vie est bloquée aujourd'hui, c'est à cause des vœux qu'ils n'ont pas accomplis. Il y a plusieurs types de vœux. Il y a des vœux qu'on fait par rapport à soi-même. Je dirais ça peut-être vendredi. Job avait fait un vœu, hein, de ne pas poser les regards sur une vierge. Il y a des vœux qu'on peut faire. Moi, j'ai fait un vœu. Bon, là, j'avais demandé à Dieu quelque chose. Mais il y a des vœux qu'on fait par rapport à soi-même, des vœux qu'on fait par rapport aux autres, des vœux qu'on fait par rapport à Dieu. Et laisse-moi te dire, quels que soient les vœux qu'on fait par rapport à soi-même, par rapport aux autres ou par rapport à Dieu, le domaine des vœux, même si ce n'est pas adressé à Dieu, ça inclut toujours un caractère sacré, un caractère qui nous lie. Vous allez bien lire la Bible, on dit comme quelqu'un va se lier par un vœu. Frère, même si c'est un vœu que tu as parfois à toi-même, je ne parle pas d'une promesse disciplinaire, genre, bon, je me promets moi-même que je ne mangerai plus après 20 heures. Là, c'est disciplinaire. Ce n'est pas un vœu. Par exemple, quand Job dit, marié avec des enfants, un homme notable qui était à l'époque, il dit, je ne poserai pas mes yeux sur une vierge. Ça, c'est au-delà de la discipline du corps. Ça touche la morale. Ça touche la spiritualité. Ça touche la consécration. Quand tu le dis consciencieusement, alors que tu te tiens devant Dieu, par rapport à toi, sans promettre à Dieu, mais tu le dis à toi-même, ça te lie. Frère, j'ai étudié le domaine des vœux. Même quand tu le fais à quelqu'un, ça te lie. Jonathan et David ont fait un vœu. Je vous enseignerai sur David. David était un homme des vœux. Il a même fait un vœu. Il a dit, moi, je ne fermerai pas les yeux. Je n'aurai pas de repos tant que l'arche de Dieu ne sera pas dans une maison confortable. Version français courante. Quelqu'un me comprend? Il n'a rien demandé à Dieu. Il n'a rien promis à Dieu. Mais il s'est dit lui-même ce qu'il a décidé comme vœu qu'il a fait. Serment avec lequel il s'est lié. Point de sommeil, point de repos, point de dormir. Dieu a entendu ça. Il a dit à Nathan,
va dire à mon fils là, ce n'est pas lui, c'est sa descendance. Faites attention aux paroles qui entrent avec des engagements sacrés. Tu es mon père spirituel. Toi et moi, c'est jusqu'à la vie. Lobby, lobby. On les cherche à partout. Ils n'étaient plus là. Les faucons du ciel. Tu as disparu. Tu as quitté l'église. Mais tes paroles t'ont lié. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu es mon frère d'alliance. Ton épée, mon épée. Ton bouclier, mon bouclier. Je fais alliance avec toi. Hein? Toi, tu as l'impression que c'est savoir les histoires d'amour, des liens d'âme là, entre l'homme et la femme, je t'aimerai pour toujours, je suis à toi pour la vie, qui lie les gens. Non. Il y a aussi les vœux que vous les alliances que vous contractez comme ça. Voilà pourquoi faites attention aux engagements sacrés. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour des amitiés, que ce soit pour une paternité, une filiation spirituelle, que ce soit pour l'engagement avec l'église, il faut faire attention aux paroles parce qu'au dernier jour, les hommes seront jugés par rapport à toute parole vaine qu'ils auraient sortie de leur bouche. Faites attention aux vœux. Faites attention. Dis à ton voisin, les hommes spirituels ne parlent pas à la légère. Change de voisin, dis voisin, les hommes spirituels ne parlent pas à la légère parce qu'ils se tiennent devant les anges. Paul était tellement spirituel qu'il a dit, hey, les femmes là, à cause des anges qui sont à vos côtés lors du culte, couvrez-vous la tête. À cause des anges qui sont là, couvrez-vous. Paul était tellement conscient de la présence des anges même à l'église. Il savait ce qu'il fallait faire et ne pas faire à cause des anges qui étaient là. N'est-ce pas? Qu'il a même dit que pendant que nous prêchons, nous annonçons la sagesse infiniment vraie de Dieu, que même les anges écoutent. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention à tes paroles. Dis à ton voisin, fais attention à tes engagements. Dis à ton voisin, fais attention à tes engagements. Alors, demain maintenant, on va prier. Je vous dirai qu'est-ce qu'on fait pour rompre un vœu. J'en ai même parlé pour le mariage. C'est facile, hein, de faire la prédot, de faire la dot, de faire le civil et d'aller dans la bénédiction nuptiale. Vous avez fait combien d'étapes? 4 étapes. Prédot, dot, civil, religieux. Lorsque vous décidez de rompre l'alliance, de divorcer, la plupart de gens ne pensent ni à la prédot, ni à la dot. La dot, quand il y a eu des enfants, dans notre coutume, on ne rend pas la dot. Il y a beaucoup de choses autour de ça, n'est-ce pas? Et d'autres vont directement chez le juge. Mais ils oublient qu'ils ne s'étaient pas liés qu'au niveau des familles, au niveau de l'état civil, mais ils s'étaient liés aussi devant Dieu. Je te jure, je te promets, jusqu'à ce que la mort nous sépare, même si tu vas te remarier, tu es toujours marié à cette femme. Même si tu vas te remarier à un homme, tu es toujours marié à cet autre homme-là. Pourquoi? Parce que tu as rompu les liens au niveau de l'état civil, mais tu ne l'as pas rompu au niveau de l'autel. Il n'y a pas une autorité spirituelle qui a brisé l'alliance qui vous liait. Il n'y a pas une autorité spirituelle qui a cassé le lien qui vous liait. Récemment, on a prié pour une servante de Dieu qui est dans cette église. Papa, on a divorcé, mais le Saint-Esprit m'a dit qu'on n'a jamais coupé l'alliance. C'est pour cela que ça constitue toujours une pesanteur pour moi. Faites attention aux paroles. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras jugé. Demain, nous allons... C'est pour ça que demain, soit là, 17h30 pile. On va commencer à faire des supplications. Je vais enseigner sur comment... Je vais expliquer d'abord les vœux, c'est quoi les types de vœux. Et vous emmener à pouvoir vous débarrasser de toute parole que vous avez eu à sortir, qui a eu une portée d'être un vœu que vous avez fait. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, les vœux sont une puissance. Si un vœu peut emmener le Créateur à descendre et agir, si ce peuple-là
dans le navire savait qu'on doit faire des vœux pour garantir notre arrivée à bon port. Il savait de quoi il s'agissait qu'on parle des vœux. Il sort de là et dit à Dieu, Seigneur, j'accomplirai mes vœux, Jonas. J'accomplirai mes vœux. Il dit, je sais ce que ça m'a coûté. Est-ce que ça a coûté aux autres? Je ne veux plus te désobéir. J'accomplirai mes vœux. J'accomplirai quoi? Mes vœux. Dis à ton voisin, tu dois accomplir tes vœux. Je clôture en disant ceci. S'il vous plaît, ne prenez plus jamais des enveloppes à l'église en n'ayant pas l'intention de les rendre. Même si on fait un appel ici avec prophétie à l'appui, même si on fait un appel ici en te donnant un témoignage pimpant, attrayant, qui t'a excité en te disant, ça est arrivé à l'autre, ça m'arrivera aussi. Si tu n'as pas, ou tu sens que tu ne pourras pas, ne viens pas prendre une enveloppe devant l'autel. Cet endroit est un lieu sacré. Cet endroit est un lieu purifié. Cet endroit est un lieu mis à part. Parce que c'est par ici que Dieu passe pour bénir cette église et bénir des nations qui nous suivent dans le monde entier. J'ai fait recharge 2022. Spiritualité du sel ou de l'eau. C'est quand je vais en Europe que je vois des gens de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe, Martinique, de l'île Mariotte, de plusieurs autres petites îles que vous ne connaissez même pas. De l'Haïti, vous dit papa, j'ai appliqué cette prédication-là. Voilà l'enfant que j'ai eu aujourd'hui. On a des témoignages incroyables. Mais tout passe où? Ici. Donc quand tu viens ici, que je fais l'appel comme prêtre, même si je n'ai pas la tenue des prêtres comme autrefois, marche avec crainte. Dans Ecclésiaste 5, il est écrit, que tes paroles soient peu nombreuses. Dieu est dans les cieux, toi tu es sur la terre. Prends garde quand tu viens dans la maison de l'Éternel. Ne viens pas comme pour faire des sacrifices des insensés. Maintenant, Daddy, j'ai trop de vœux que j'ai faits et je n'ai pas réalisé ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je te dirai aussi qu'est-ce que tu dois faire pour rompre la pesanteur des vœux non accomplis qui pèsent encore sur toi. Tu as bien fait d'acclamer. Tu dois finir cette année léger. Dis à ton voisin, cette année, je dois voyager léger. Dis à ton voisin, pour 2024, je dois voyager léger. Acclame très fort, je vais conclure ici. Voilà. C'est à 20h30 qu'on termine dans l'affiche. Il me reste 7 minutes. Je veux clôturer ici. Dis à ton voisin, fais attention aux vœux. Autant que c'est dangereux, autant que c'est avantageux. Tu n'as pas compris. Autant que c'est dangereux. Mais c'est la raison pour laquelle c'est dangereux, parce que c'est avantageux. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et le Saint-Esprit m'a dit de préparer le corps du Christ, parce que à la veillée du 31 décembre de cette année, nous avons 2 mois pour réfléchir, mûrir les vœux qu'on veut faire. Mais le 31 décembre, nous allons faire des vœux par rapport à des grands projets. Frère, on ne fait pas des vœux pour des petites choses. On fait des vœux où tu sais que je vais faire et je sais que Dieu fera aussi. L'année prochaine sera l'année de la réalisation de grands projets pour quelqu'un. Tu vas acheter le terrain, tu vas commencer la fondation, tu vas élever les murs et tu arriveras jusqu'à la finition. L'année prochaine, c'est l'année de la visibilité et des mégas. Je n'ai pas dit méga de l'internet, j'ai dit méga en termes de grands. La grandeur de ce que tu produiras, la grandeur de ce que tu auras, la grandeur de ce que tu réaliseras va choquer le monde, parce que la bénédiction d'Abraham est sur toi. Il avait dit, je rendrai ton nom grand. Quand ton nom est grand, ton église est grande. Quand ton nom est grand, là où les enfants étudient, sont les grandes écoles. Ah, dis amen bien que je t'entende. Quand ton nom est grand, tes bénéfices sont aussi grands. Dis avec moi amen très fort. Dis avec moi amen plus fort que ça. La père ma zebra lia manere, copra le ma sopra lia ba, a zebra kuba, elia ma sopra leba, a zebra kuma le karababa basha. Il y a une femme qui s'appelle Cathy ici. Cathy. 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 S'il y a plusieurs, venez. La Cathy dont je parle, elle a un frère qui s'appelle comme Josué, comme Joshua. C'est toi, avance, on acclame. Son numéro est comme 09, comme ça,
il y a comme 1-0-0, il y a comme 9 comme ça, il y a comme... Hein? Je dois vérifier parce qu'il n'est pas au Congo. Au bas Congo? Non, il n'est pas au Congo, il est au Nigeria. Il est au Nigeria? Oui. Il fait quoi au Nigeria? Maintenant, il travaille dans une agence de diaspora des hôpitaux Congo-Nigeria. Tu vas dire à ton frère d'appeler l'oncle qui est au bas Congo. Ok. Tu connais l'oncle? Oui, on a de la famille là-bas. Vous avez la famille là-bas? Oui. Manyongo, Mangoyo. 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 Oui. Docteur Mangoyo. Exactement, Venon Mangoyo. Il est dans la politique. Oui. Présenté député. Présenté national. Député. Exact. Candidat. Avance. Parti politique comme Koneb, si c'est Koneb comme ça. Avance, papa. Hein? Can I prophesy? Professeur. Est-ce que je peux commencer ces trois jours? Yes. À monter. Dis amen bien qu'on puisse monter. Amen. Les brandés sopra les kamasefa, appelé li amasepalo, aria masepe le mende, avance que pari amasepa, ale balo sapla li emene, eria masopra kela, alaba. Il y a une de ses soeurs en Afrique du Sud. Oui, oui, Evelyne Mangoyo. Evelyne, hein, Mangoyo, oui. On doit l'opérer. On doit l'opérer, exactement. Oui, oui. Un ange va maintenant alors que je parle là-bas. Yes. Plaque sopra, un ange va, les brandos ça va, un, la palais sopra, un ange va tout, qu'elle ne se fasse pas opérer. Amen. L'ange de Dieu va là où elle se trouve. Yes. Et la touche maintenant alors que je parle. Amen. Astrid, c'est qui? Astrid. Je ne sais pas. Astrid, Astrid. C'est autour de la famille. Autour de la famille. La rabasse, blanaba. Je vais prier pour toi demain. Tu m'entends? Demain, la première personne sur qui je prophétise, c'est toi. Je vois une agence. Une agence de voyage. C'est en projet, mais présentement, c'est l'agence événementielle. Je vois comme un nom là, avec comme des lettres. Oui, CK. C'est quoi? CK, CK Event. Ok. Donne-moi la main. Bienvenue au Canada. Entre. Reste là. C'est ce que tu prévois, non? Oui. C'est ce que tu prévois? Oui. Je me sens bien ces trois jours. Lève-toi, acclame très fort. Tu vas nous visiter. Dieu va nous visiter. Amen. Joshua Mbungu. Exactement. Mbungu, hein? Joshua Mbungu. C'est la famille Mbungu et la famille Ma. Mangoyo. Mangoyo, voilà. Exact. Ça va, la fréquence est revenue. Tiens-moi la main. Que la basso, bradé mané, la basso. Allez, bradi amazova. Lève les mains là où tu es. Père de gloire, Dieu de tous les esprits. Dieu d'Israël. Créateur des cieux, de la terre et de la mer. Nous voulons venir ces trois jours parce que nous croyons que durant ces trois jours, tu vas débloquer des situations bloquées depuis des années dans nos vies. Jesus, lève les mains, commence à prier, commence à prier. Tu es en ligne ou bien tu es ici, commence à prier. Je te donne une minute, commence à prier, on va faire la dédicace du mois. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Le palais sobra de Mano Sava. Ali Abasebra Diamasoba la Kemala Sobra. Ajebra Diamasobra Ketebeye. Il Amasebra Taramasobra. Alaba Laba Sobra Karabashaka. La Baba. Maman Evelyne, c'est qui? Evelyne, Evelyne, Evelyne. Evelyne. Hein? Celle qui est en Afrique du Sud, hein? L'ange de Dieu part. Continue à prier, continue à prier. Je vais un mouvement en Afrique du Sud là-bas. Là-bas, Chebra. Allez, Bosoprale, Mandele. Allez, Brandi, Abasoba. Allez, Baba, 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 Shaba. Là-bas, Rasapre, Kamandorese. Allez, Bradaba. Au nom de... le diable veut s'en prendre à la fille de l'oncle là. Comme Bendy, j'entends le nom de loin là. Je vois une de ses filles. Une de ses filles, la fille de l'oncle. Il y a des enfants? Je ne sais pas trop. Toi aussi, tu ne sais pas. Demain, je vais t'expliquer. Amen. Vous êtes en contact avec lui? Oh, la famille, oui. Ma mère, précisément, oui. Ta mère, hein? Oui. Pas toi?
Pas trop. Ok. J'aime quand le prophétique fonctionne comme ça. Avance, papa. Demain, je vais te parler de la famille. Et on va prier pour la famille. Amen. Dis à ton voisin, demain, viens avec toute ta famille. Donc, demain, j'enseigne, je prophétise. Est-ce que je peux... Avance, papa. Prophétise, papa. Est-ce qu'on peut voler ces trois jours? Volons, papa. Est-ce qu'on peut voler ces trois jours? Dieu va te donner un bon mari. Amen. C'est une bonne fille. Amen. Vous la connaissez? C'est une très bonne fille. Amen. Très bien éduquée. Toujours en train de rire et de sourire. Quand les autres, on les envoie, ils ne veulent pas, elle part toujours. C'est vrai ce que je dis? Hein? La meilleure. Ah bon? Acclamez très fort pour elle. Voyez comment Dieu fait, hein? Le travail que fait à l'église est monté devant mon Dieu. Et en ce premier jour des trois jours, Dieu t'a localisé. Parce que tu as un bon cœur. Tu sers Dieu. Tu sers Dieu de tout ton cœur. Que Dieu bénisse tous les fils et toutes les filles qui travaillent d'un bon cœur. Avec humilité. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu a vu le travail. Moi, on ne m'a jamais parlé de toi ici. Je ne vois que les visages. Mais regarde comment je dis quelque chose, tout le monde réagit. Parce que les gens te connaissent. Reste comme tu es. Un homme bien va t'honorer, il va t'épouser. Amen. Et comme signe, il va payer plus que l'argent de la dot qu'on a demandé. Amen. Je le dis de ma bouche. Et tu te souviendras que mon père est un prophète. Tellement que cet homme sera content. Il va donner non seulement ce qu'on a demandé, mais il va donner plus que ça. Plus que ça. Un bon cœur ouvre le ciel. Hein? Dis à ton voisin, je suis prophétisable. Je suis prophétisable. Balance les mains, dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Demain, je commence avec toi et je vais te donner de boire de l'eau. Demain, vous allez m'emmener un verre. Je veux te faire boire de l'eau. Ça va être la fin d'une saison et le début d'une autre. Acclamez très fort. Voici l'instruction. Dis à ton voisin, demain 17h30 ici. Je veux que tu invites 3 personnes. Dis à ton voisin, opération 3 personnes. Et je veux que tu viennes avec ta famille. En tout cas, ce soir, invite papa, maman, tes frères et sœurs. 17h30, 20h30, on a fini. J'ai besoin de t'expliquer comment tu t'es lié par tes propres paroles, par rapport à toi-même, par rapport aux autres et par rapport à Dieu surtout. Les types de vœux que l'on fait, l'impact des vœux. Amen. Comment se délier d'un vœu? Comment renouveler un vœu? Quelqu'un me suit? Je n'avais pas accompli, mais je viens renouveler pour dire à Dieu, je tiens toujours à ce que j'avais dit là, je veux continuer ce que j'avais dit. Qui a dit amen? Et tu vas finir ce programme avec des vœux que tu vas faire. Alors, il y a deux types de vœux qu'on va faire. Un, on va faire les vœux pour les 61 jours qui nous restent. Donc, on va commencer à faire des vœux demain ou vendredi. On fait des vœux parce qu'on veut que novembre et décembre, on va expérimenter la puissance des vœux déjà, n'est-ce pas? Avance, papa. Et on va mieux se préparer pour le 31 décembre. Le 31, ce n'est pas juste « Oh, c'est de requête », non. 3 vœux que tu fais, 3 seulement. Seigneur, je fais le vœu de faire ça. Si tu fais ça, je ferai ça. Et tu donnes la garantie, n'est-ce pas? Même pour prendre une maison, on paye la garantie, n'est-ce pas? Tu donnes la garantie. Le 31 décembre, on va se lier à Dieu par des vœux. On sera lié, Dieu sera lié aussi. Dis à ton voisin, les vœux sont la voie par laquelle l'homme peut lier Dieu. Un homme peut-il lier Dieu? Impossible. Mais quand Dieu met un pied dans le vœu, c'est comme si Dieu met un pied dans l'alliance. Parce que faire un vœu et établir une alliance sont au même niveau. Seulement que l'alliance est permanente, mais le vœu est circonstanciel. Il n'y a rien de plus puissant dans le monde spirituel qu'un vœu, à part l'alliance.
Une promesse peut être dite, être révoquée. Mais quand on entre dans le territoire des vœux, on entre comme approximativement dans le territoire des alliances. Ce sont des domaines dans lesquels Dieu ne blague pas. Quand Dieu s'engage, quand tu t'es engagé, il sera avec toi. Jacob a dit dans Genèse 28, Seigneur, si tu es avec moi quand je pars et que je rentre, voilà ce que je ferai pour toi. Dieu dit, ah, tu vas voir. Omekinga Omona. Entrer dans le domaine des vœux, c'est le domaine dans lequel on met Dieu à l'épreuve. Quand Dieu dit oui, frère, tu vas voir Dieu te donner ces 500 000 dollars que tu attends. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Tu vas voir Dieu t'ouvrir les portes que tu attendais. Yes. Donne-moi un amen bien là où tu es. Amen. Je te donne 60 secondes. Commence à prier en battant les mains. Prie, prie avec moi. Prie avec moi. Tu es en ligne et tu es ici. Prie avec moi. Ces trois jours sont sacrés. Tu ne peux pas finir l'année avec des pesanteurs dans le monde spirituel. Tu ne peux pas finir l'année avec des choses qui te bloquent dans le monde des esprits. Tu es en ligne et tu es ici. Tu dois te prendre au sérieux. Jonas avait fait le vœu à Dieu. Seigneur, je te promets, tu me sors d'ici. J'irai parler à Ninive. Je ne veux pas, mais j'irai parler à Ninive. Les commerçants de le navire ont fait un vœu parce qu'ils voulaient arriver à bon port. Après avoir échappé à la mort et après avoir perdu leurs marchandises, les vœux sont une puissance. Deux fois dans le même livre d'un prophète, on parle des vœux. Frère, il y a une puissance dans les vœux. Au milieu des combats les plus difficiles, on utilise des vœux. Face à des défis les plus compliqués, on utilise les vœux. Face à des situations impossibles à résoudre, on libère l'arme des vœux. Labara sobra kamasha. Kali amase palé sobrada. Ale baba 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 sheke mana. Ada baba 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 somme de debe. Kere bebe 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 se palé. Ala baba 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 sofi ali amalama. Soba baba baba. Au nom de acclame là où tu es très fort. Allez, prends l'offrande là où tu es. Prends une offrande là où tu es. Viens déposer sur l'autel. Vous êtes en ligne ce soir. Utilisez maintenant le lien de PayPal, le code QR et tous les détails qui sont là sur l'écran. Orange Money, Africell. Utilisez ça maintenant et envoyez votre offrande. Dans 3 minutes, on a fini le culte. Il est 20h30 déjà presque. On clôture, on rentre. On a dit c'est de 17h30 à 20h30. Alléluia. Père, bénis ceux qui viennent déposer leur offrande sur l'autel. Bénis et multiplie leurs avoirs au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Avancez-vous tous qui avez vos dîmes aussi. Votre dîme, votre prémisse. Votre dîme, votre prémisse. Et tous ceux qui ont pris les enveloppes dimanche soir avec le prophète héritier, grâce, avancez aussi. Vous avez pris les enveloppes dimanche soir avec le prophète héritier. Avancez, avancez, avancez. Mettez-vous ici. Alléluia, que Ramazaba. Vous avez suivi en ligne, vous avez des enveloppes, venez les déposer sur l'autel. Déposez les enveloppes sur l'autel, déposez, déposez, déposez. Vous avez votre dîme, mettez dans l'enveloppe, déposez sur l'autel. Déposez sur l'autel, déposez sur l'autel, déposez sur l'autel. Père, je bénis ces enveloppes que plusieurs ont emmenées, qu'ils ont pris dimanche soir. Et je bénis les dîmes que nous apportons devant l'autel. Au nom de Jésus, amen. Déposez sur l'autel. Déposer, envoyer en ligne, que Dieu vous bénisse. 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1 000 euros, 1500 ou plus. Envoyez votre semence maintenant, votre offrande maintenant. Que la main de mon Dieu soit sur vous, au nom suprême de Jésus-Christ. On acclame très fort pour le Seigneur. My Messiah. Le tout puissant. Oh, yo, yo, yo. Oh, oh, yo, yo, yo.
yo yo yo. Prends le front du prophète, je vais te bénir ce soir. Viens honorer ton père, honorer l'onction qui a travaillé, la parole qui a été relâchée, la lumière qui t'a été accordée. Prends le front du prophète ce soir, viens honorer l'onction qui a travaillé et qui t'a béni ce soir. Avancez, mettez dans l'un des paniers devant vous. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu que je sers, pour lequel j'ai transpiré ce soir, vous bénisse et vous arrose. Alléluia. Yo. Yo, 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 yo. Ah, yo, 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 yo. On acclame très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort. Vous êtes là pour la première fois à la porte des cieux. Veuillez vous lever. C'est la première fois d'être à la porte des cieux. On les acclame très fort. On les acclame. Est-ce qu'on peut les acclamer? Saluez-les, déplacez-vous, saluez-les. Welcome to Zion, city of the Superman. Est-ce qu'on peut les embrasser, les saluer? Déplacez-vous, saluez-les. Welcome to Zion, city of the Superman. Cassez-moi l'école. Soyez les bienvenus à la porte des cieux ce soir. On peut les acclamer très, très, très fort. Bienvenue. Merci à ceux qui ont été en ligne. Et merci à vous tous. Merci, papa, qui vous a invité. Ah, ça ne pouvait être que lui. Depuis le jour où il est venu, je peux me dire pour vous, depuis le jour qu'il est venu, il n'a plus jamais quitté sa place. Un papa loyal, fidèle, extraordinaire. On peut acclamer très fort notre papa. C'est votre ami, membre de famille, collègue, ami, c'est un homme extraordinaire, très constant. Depuis le jour où il est entré, il n'a plus bougé. Il est là. Vous avez remarqué, papa, que Dieu vous bénisse, que ces 2 mois soient 2 mois de grands témoignages pour vous. Et que l'homme que vous avez invité soit aussi béni. Et que Dieu le visite ces 3 jours. Au nom de Jésus. Alors que vous êtes debout, avant de quitter les lieux, remplissez les fiches que nous vous avons données. Vous allez les déposer en sortant d'ici. Un panier sera juste là à l'entrée. Vous allez mettre votre fiche. Nous voulons garder contact avec vous. Merci, veuillez vous asseoir. Content de voir mon fils David Kainos. Il vient fraîchement de la Côte d'Ivoire. On acclame très fort. Bénisse. Ça fait du bien. Amen. Qui était là hier à lundi à la veille des mamans? Qui a suivi en ligne? Qui a prié? C'est fort, hein? En tout cas, c'est chaud avec les mamans. Dis à ton voisin, demain, 17h30, 20h30. Que le Dieu que je sers et que je prie vous bénisse et que vous ne puissiez plus rentrer à la maison en taxi, ni en ayant été accompagné, ni en moto. Que le Dieu que je sers vous donne vos propres voitures. Que vous ne puissiez pas rentrer dans la maison où vous êtes des locataires, mais dans vos propres parcelles. Que ces 3 jours de vœux débloquent ceux qui étaient bloqués durant des années. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain, shalom, soyez bénis.